Salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour un live assez spécial que je fais tard parce que la mise à jour vient d'être faite il n'y a même pas, on va dire, une heure. Il est minuit 13 à l'heure où je fais ce live. On est le 30 octobre 2019. Alors, pourquoi ce titre? Parce que ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous souvenez tous de la mise à jour, grosse mise à jour d'Animalica. On va aller sur Steam pour voir ça parce que ça vaut quand même le coup d'œil, faut être honnête, hein. Donc il nous faisait passer à l'alpha 4.0. Donc on va aller voir, comme ça on va reconstituer le truc. Mais bon, il suffit que vous alliez sur YouTube et vous avez la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là. Donc où ils annonçaient que nous allions avoir 7 nouvelles maps, 20 nouveaux animaux, des nouveaux items. Et de nouvelles recettes, des nouveaux ennemis, des nouveaux points de spawn, de créatures, etc. Un nouvel inventaire, comme on le voit là. Des nouvelles armes, des nouveaux animaux. Bon, on voit un chien, super. Une nouvelle race de chien. Bon, enfin bref, ça c'est pas vraiment le problème. Donc voilà ce qui était donc annoncé sur Steam. Alors vous voyez qu'Animalica, entre guillemets, quand même, est passé de 20 euros, j'arrondis, à 9,99 euros. Ça chute, hein. Va falloir vous réveiller. Parce qu'après, c'est bien beau de me contacter sur YouTube, hein, monsieur le directeur du jeu qui comprenait très bien le français, pour me demander si je ne veux pas vous aider pour les bugs. Mais excusez-moi, sur votre page Steam, vous avez des pages et des pages de bugs. Donc, ce n'est pas à moi à vous aider là-dessus, mais ma vidéo, puisque vous allez la regarder, va encore vous aider au niveau de vos bugs. Et il y a du taf parce que vos développeurs, je ne comprends pas, ils sont roumains, vous êtes allemands, le jeu est en anglais. C'est vrai bordel. Bon bref. Donc, cette mise à jour, ouais, je suis en rogne, ouais, je suis en colère parce que, ben, comme beaucoup de problèmes en ce moment sur d'autres jeux, ben, les gens commencent à en avoir marre des devs qui font du boulot de merde, il n'y a pas d'autre mot, et qui en plus ne le reconnaissent pas et vous mettent toujours vous, joueurs, en faute. Donc, quand on a, voilà, quand on promet à une communauté, à des gens qui ont acheté un jeu, qui ont payé un jeu 20 euros, alors vous me direz, il y en a 40, il y en a 50, c'est pareil, hein, ça serait le même topo. Quand on achète un jeu, c'est pour qu'il marche. Quand il est en alpha, en early, en alpha, pardon, c'est qu'il n'est pas terminé. Moi, je me suis déjà pris la tête plusieurs fois avec les développeurs, 10 développeurs sur Steam qui vous répondent et qui vous disent mais non, notre jeu a aucun problème, notre jeu est parfait. S'il était parfait, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, déjà vous n'auriez pas des pages et des pages et des pages de personnes qui sont mécontentes de votre jeu suite à votre mise à jour, qui ne rencontreraient pas tous les bugs qu'ils rencontrent, qui n'auraient pas perdu leur base après vos mises à jour. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Donc au bout d'un moment, si votre jeu il est terminé, ben, il n'est plus en alpha. Au moins, il a un early, ou il a un accès anticipé, ou alors il est finalisé. Mais il y a un problème quelque part. Donc, voilà ce qui était prévu. Donc, c'était au mois d'août. Pour le mois de juillet ou août, je ne sais plus. Juillet est passé, août est passé, septembre est passé. Ah, toujours pas de mise à jour. On attend. On n'était plus à un mois près, hein. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente, coup de gueule Animalica, que vous avez sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe encore? Ben, tout simplement, on nous prend pour des cons. Voilà. Donc, suite à cette annonce, en septembre, grosse mise à jour. On était tous ravis, on s'est dit, Alléluia, ça y est, enfin, ils étaient pas au point, il manquait quelques trucs. Bon, le temps qui fignole. Bon, c'est pas la première fois qu'Animalica, il y a des soucis. Beaucoup de youtubeurs, de gros youtubeurs avaient arrêté de faire ce jeu parce qu'il y avait des bugs tout le temps et il y avait toujours des problèmes et que ça se résout. Ce n'était pas résolu. Ils avaient un petit peu mis de l'eau dans leur vin, mais je vois que c'est pas la peine. On n'en fera rien. C'est bien dommage parce que je le dis, ce jeu est vraiment super. Par contre, les développeurs du jeu, zéro quoi. Alors après, le directeur du jeu qui me contacte par rapport à ma vidéo coup de gueule, vous pouvez le retrouver, enfin si c'est bien lui, parce qu'après, hein, bon, je ne sais pas qui a écrit sur ma chaîne YouTube sous la vidéo, hein, mais je vous invite à y aller. En tout cas, il a mis la photo du directeur et se fait passer pour le directeur du jeu. Je lui réponds gentiment, entre guillemets, mais je ne sais pas si c'est le vrai directeur ou si c'est un petit malin qui s'amuse à se faire passer pour.
Mais enfin, bon, il est bien entendu pas, c'est pas mon taf à moi d'aller les aider à rectifier, à me retaper toutes les maps pour aller voir où sont les bugs et leur faire un listing. Je ne suis pas payée pour. Voilà. Moi, j'ai payé un jeu, c'est pour qu'il marche. Donc, ce qui n'est pas le cas, évidemment, mais on va voir ça ensemble. Donc, ça, c'était prévu pour juillet. Donc, ça sort en septembre. Bon, allons-y. Mais grosse surprise, en septembre, n'est pas vraiment sorti ce qu'on s'attendait. C'est-à-dire qu'ils nous ont sorti ça en deux parties. Ils nous ont annoncé, voilà, on vous sort que la première partie. On n'a pas encore fini la deuxième partie. Sous une semaine, on va le revoir ensemble. Sous une semaine, vous aurez la partie numéro 2. Oups, ça, c'est Twitch. Ok, jusque-là, pas de problème. On attend. Une semaine passe. On est quand même le 30 octobre. Septembre, on n'a pas la même notion de semaine. Donc, on va remonter ici. Donc, il nous annonce, Animalica Alpha 4.0 est arrivée. Salut tout le monde. Elle est enfin là. On est tous ravis. On l'attendait. Donc, pour commencer, c'est ce qu'ils disent, hein, nous vous spécifions que ce n'est que la première partie des deux parties de la mise à jour. La seconde partie arrivera environ dans une semaine. Elle inclura sept nouvelles maps, beaucoup d'animaux, le range d'ennemis sera changé et beaucoup d'autres choses pour l'expérience, etc. Le blabla, etc. Donc, ici, bon, ils nous disent ce qui est inclus dans la première partie qu'on va voir ensemble quand je vais lancer le jeu. Donc, voilà. Et qu'il y a donc une nouvelle. Comment dire? On avait vu ça ensemble. Une nouvelle map. Safe. Je dis bien safe. Où vous pourrez faire, et je vous l'avais montré dans la vidéo, donc je vous invite à aller la voir, où vous pouvez faire votre base. Or, comme je vous l'avais dit, ça c'est la maison, elle est magnifique, il n'y a rien à dire, elle est immense, je vois pas trop, on n'y est jamais dans la base, donc voilà quoi, mais elle est très jolie. Par contre, je ne comprends pas, cette maison-là, où vous allez poser tous vos storages, tout ce qui est, enfin, tout ce que vous voulez dans la baraque, hein, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'aménager, est placé à peu près sur la deuxième image, ici là, derrière les montagnes. Et ici, vous avez une île avec ceci là, qui est très jolie aussi, rien à dire, où il y a plein de choses à looter. Et vous devrez y aller à la nage, parce qu'il n'y a pas de bateau hein, qui va vous amener. Et ce n'est pas la porte à côté, on ne voit pas sur la photo, mais ce n'est pas la porte à côté. Déjà, j'avais signalé quel intérêt d'avoir ce truc qui est immense, hein. C'est vraiment immense, hein. C'est une map de la grandeur de la taille des autres maps où on peut faire nos bases. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quel est l'intérêt de l'avoir coupée là-bas pour la foutre sur une île où il faut aller en nageant? C'est-à-dire que si, admettons, vous voulez mettre ici vos loots ou y mettre des trucs, ben à chaque fois, il faudra nager. Hein. Ils n'ont pas inclus le bateau encore, on appelle bateau. Donc, les nouveaux œufs qu'on trouve maintenant sur la map, les nouvelles armes, etc. Le nouvel ours, le nouveau système de l'inventaire. The New Inventory UI. Voilà, donc classé par catégorie. Ici, vous voyez votre perso. Là, toutes les catégories. Donc, voilà. OK. Donc, ça a été publié. Et j'en avais parlé dans la vidéo coup de gueule précédente. Est-ce qu'ils ont laissé la date? Non. C'était, je vous dis, au mois de août, à la dernière grosse mise à jour. Donc là, ben, si, 28 septembre. 28 septembre 2019. Mise à jour importante. Je relis la phrase. Ce n'est que la première partie des deux parties de la mise à jour. Déjà, elle devait sortir en août. Elle sort en septembre. Juillet. Elle sort en septembre, pardon. Et ils ne nous la sortent pas en entier, c'est la première partie. Et ils disent que la seconde partie arrivera dans une semaine. Or, on est le 30 octobre. On se dit, il y a vachement de boulot. Parce que quand on voit tous les reports sur Steam qu'il y a de plainte, je peux vous assurer que franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc aujourd'hui, grosse mise à jour, un peu plus de 2 gigas. Donc dans ma tête, je me suis dit, waouh, ça y est, ils ont sorti la partie 2, bien qu'ils n'aient pas rectifié les bugs qu'on a.
Voilà. Mais ça, je vais revenir après. Donc, on passe à Animalica Alpha 4.05. On va en savoir plus. Et là, vous rigolez. Enfin, vous rigolez. Moi, je me suis dit, sous de notre gueule. Voilà, c'est texto ce que je me suis dit. Donc, on était à la 4.0. On avait une partie de la 4.0. On n'a pas la deuxième partie avec les autres maps, plus les animaux, plus tout ce qui nous manque. Par contre, il nous faut un patch note qui nous fait passer à l'alpha 4.05. Point d'interrogation pour moi. Tout ça pour nous foutre un putain d'event Halloween. Non, mais je vais faire Nabila, quoi. Allô, quoi. Allô. Les mecs, là, vous avez un jeu, vous avez des joueurs qui vous saturent de messages sur Steam parce qu'ils ont perdu leur base suite à votre mise à jour, parce que leur inventaire ne fonctionne plus, parce que tout, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas depuis la première partie de la mise à jour. La seule réponse que vous trouvez à leur donner, c'est en quelle qualité vous jouez. Est-ce que vous êtes sûr que votre PC, on recommence les problèmes qu'il y a des mois, quoi. C'est jamais leur faute, jamais. Donc vous avez beau dire que vous êtes en plein écran, que vous êtes en height, que votre PC a un i5, un i7, enfin bon bref, moi il m'avait sorti il y a des mois que mon PC était trop performant pour leur jeu, ça je vous l'avais dit, c'était le pompon sur la haricot, comme on dit chez moi. Mais bon, là franchement c'est foutage de gueule. Où elle est la deuxième partie? Bon, on va dire c'est Halloween. Alors, bon. Mais si vous n'avez pas le temps de faire la deuxième partie, qu'elle n'est pas au point où vous avez trouvé le temps de faire celle-là. Moi, c'est la question que je pose. Surtout que je viens de la faire, la map, à l'instant, là. Je viens de la faire. Honnêtement, vous l'avez mis en rouge, vous pouvez la mettre en jaune, hein, parce que franchement, il n'y a rien de génial. Hein. Vous allez être déçus, les gens. Franchement. Vous me laisserez sous vos commentaires sur ce que vous en pensez, mais vous allez être sincèrement déçus. C'est pas une map, c'est une île. Déjà, Eden, il faut changer le nom. C'est pas a new map, c'est a new Iceland. Parce que, alors, franchement, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Alors, oui, il y a deux chiens dans des cages. D'accord? On va aller la voir aussi ensemble. Il y a deux chiens dans des cages, dont un qui est mort. Donc, vous le prenez, hein, ça fait de la viande, vous savez, hein, pour manger. Le deuxième, c'est que c'est pas un nouveau chien, c'est un Doberman, toujours le même. Comme le tout premier dans la première map qu'on avait trouvé dans la cage. Pareil, dans une cage, vous le prenez, voilà, terminé. Après, par contre, il y a des soldats. Alors, il y a un avion, hein, comme ça, là, ça, là, voilà. Par contre, voilà, la map, c'est ça. Là, vous avez tout. Ici, vous avez tout. Voilà votre map. Alors, ne cherchez pas des animaux extraordinaires, il n'y en a pas. La seule chose qu'il y a, c'est des mecs qui vont vous tirer dessus et vous pouvez les avoir qu'au sniper. N'essayez pas avec le fusil avec le lance-flamme si vous préférez. N'essayez pas avec ça. Allez-y au sniper ou au pistolet parce que eux ils vous canardent au flingue. Ce sont des humains en apparence. Par contre, quand vous les vous récoltez le corps, ça fait le même bruit que des personnes contaminées. Mais vous allez voir ce que j'ai récolté en les prenant. Il y a trois tourelles comme ça. Une là, une autre qui est à peu près située ici sur la map, une autre là, et vous allez pop à peu près à ce niveau-là avec votre montgolfière. Ici, là, derrière, il y a... comment je pourrais appeler ça? Un truc pour animaux là qu'on peut se crafter. Celui avec la porte et les vitres sur les côtés, où on met nos animaux. Et dedans, vous avez peut-être 6 zombies. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres sur d'autres maps. Hein. On va regarder. Mais enfin, ici, ça s'arrête là. Donc, vous aurez ce vaisseau à fouiller. Alors, il y a des mecs dehors. Il y en a 4 ou 5 dehors, qui sont snipers ou autres. Qui, je vous le dis, sont humains, qui sont... On ne sait rien. Je ne sais pas qui c'est. Mais enfin, bon. Après, vous rentrerez dans l'avion. Dans l'avion, il y en a aussi. Il y aura aussi des cadavres de physiciens hein, que vous trouverez avec des blouses par terre, mais il n'y a rien sur eux. Il n'y a aucune notice, aucune explication. On ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est ce truc. On ne sait pas qui sont les gens dedans.
Les zombies, bon, on peut comprendre. Des nouveaux mutants qu'ils ont fait pour cet event Halloween. C'est marqué là, hein. Small Halloween Update. Ah, nous, on attendait la partie 2 avec les maps et tout prévu depuis Mathusalem. Mais bon, ils ont eu le temps de faire ça, mais pas la deuxième partie. Bon, bref. Donc, et dedans, vous aurez des trucs à crafter. Des munitions, des kits, enfin bon, tout un tas de trucs. Fouiller aussi les tourelles. Faites pas comme moi je suis allée sur les îles, hein, qu'il y a autour, il n'y a que dalle. Je me suis dit, bon, ça peut pas être ça. Il y a aucun animal à prendre à part le pauvre chien dans sa cage. J'ai dit, ils ont quand même mis des animaux quelque part. Non, non. Je me suis tapé toutes les îles autour. C'est très joli, c'est très bien fait, il n'y a rien à dire. Mais par contre, ça sert à quoi, quoi? Ça sert à quoi? Donc, vous avez une nouvelle map qui s'appelle Oceania. C'est ça. Et là, quand je vous dis que l'image là vous résume la map, c'est ça. Moi, j'appelle pas ça une map, hein. Mais bon, ce n'est que mon avis. De nouveaux animaux, un nouvel animal, pardon, a été ajouté, le Kodiarbir, l'ours que vous voyez ici. Voilà. De nouveaux types d'ennemis ont été ajoutés. Des zombies qui vont à 2 km/h, vous aurez pas de mal à les tuer, hein, par rapport aux autres d'habitude. Il suffit que vous mettiez, vous voyez, c'est à peu près derrière, je vous montrerai après. Vous vous mettez ici en hauteur, ou même ici sur la tourelle. Avec le sniper, vous tirez, vous les tuez tous, vous allez récupérer les corps, c'est terminé, vous avez fini votre map. Et allez en rouge. L'école du rire. L'école du rire. Donc de nouveaux ennemis. Avec. Au niveau du range des. Avec un range spécial. Les citrouilles d'Halloween reviennent pour un temps limité. La qualité des textures a été arrangée. Hein. 7 sons ont été mis à jour. Et ils ont fixé 7 bugs relatifs au menu de craft, au screen de téléporte et aux items placés, ainsi qu'à l'animation de la mort pour les créatures. Alors, ça a été tellement bien. Retenez bien cette phrase. Hein. Fixe, 7 bugs ont été fixés relatives au menu de craft. D'accord? Et maintenant, on va lancer le jeu. Et là aussi, cette phrase, je l'aime beaucoup. S'il vous plaît, pensez à essayer sur Steam d'aller sur votre jeu. En fait, c'est ce qu'ils disent, de vérifier l'intégralité des fichiers de votre jeu d'un Steam avant de reporter vos problèmes de bugs. Très souvent, cela résout le problème. Merci de votre support et de votre patience. Ça, ils peuvent nous remercier pour notre patience, il n'y a pas à chier. Donc, pourquoi ça se remonte tout le temps? Je ne sais pas. Voilà, moi, je les ai contactés parce que j'ai un gros problème Alors, vous voyez, bug report par rapport à la 4.0. Ils le disent ici. Il y a exactement. On va regarder ensemble. Il y a plus de 6 pages de gens qui se plaignent en donnant des screenshots, en donnant des liens de vidéos, etc. Il y a plus de 6 pages, quoi. Il y en a qui ont perdu leur base complètement. Il y en a qui ont perdu leurs animaux, mais ça, on l'avait vu. Et moi, ici, vous le voyez, hein, je les contacte car mon inventaire, quand je veux aller, par exemple, dans un des coffres de mes fermes, on va le voir en jeu, je vais vous le montrer, comme ça, si monsieur le directeur d'Animalica y va, ou si monsieur Optimus, développeur soi-disant d'Animalica, qui me demande en quelle résolution ici. Parce que je lui explique que l'inventaire, je ne peux pas récupérer ce qu'il y a dans les coffres parce que tout simplement, mon inventaire, quand je l'ouvre, quand j'ouvre une boîte, hein, mon inventaire perso, au lieu d'avoir, si vous voulez, on va le voir, mais bon, il est séparé en deux comme ça. Ici, vous avez ce qu'il y a dans le coffre et ici, vous avez votre inventaire.
Et si vous avez une flèche avec le lait, le machin, on s'en fout ce qu'il y a dans le coffre. Et vous avez une flèche qui vous cliquez dessus, ça vous le met dans l'onglet d'inventaire qui est fait à cet effet. Or, mon problème, moi, c'est que depuis leur dernière petite mise à jour qu'ils ont fait il y a une semaine, parce qu'elles ne sont pas toutes répertoriées, hein, ils font plein de petites mises à jour comme ça tous les 2-3 jours, de quelques petits kbits. Mais alors, la dernière a été catastrophique pour moi, c'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus prendre dans les coffres parce que mon inventaire, vous voyez, il passe par-dessus l'inventaire du coffre qui est là. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai du lait, vous allez le voir, mon inventaire perso, on va dire que ça, c'est la case où il y a le lait normalement ici, eh bien, mon inventaire à moi le chevauche, donc je ne peux pas prendre le lait, donc mes fermiers ne travaillent plus puisqu'ils sont à 100%, puisque quand ils sont à 100%, ils s'arrêtent, vous prenez le lait, vous le mettez dans votre inventaire et ils recommencent à bosser pour vous faire des ressources, pour faire les crêtes, pour avoir des T1, des T2, etc. Or, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je ne peux pas récupérer les ressources. Donc, c'est ce que je lui explique. La réponse est affolante. Il me demande. Parce que je l'ai posté ici, dans Bug Alpha 4.0. Et comme il y avait une autre discussion concernant les bugs des inventaires, je l'ai posté aussi dans la discussion du bug des inventaires. Donc il me dit qu'il m'a déjà répondu dans l'autre salle de discussion et qu'il me demande la résolution que j'utilise pour faire tourner mon jeu. Ok. Donc je lui réponds que je suis en 1920 par 1080, que le jeu a toujours fonctionné très bien. Mais que depuis la toute petite update qu'ils ont fait, ben hélas, la mise à jour m'a niqué complètement le jeu. Et je suis en height partout. Et que je n'avais jamais eu aucun problème. Donc là, il me demande si je peux faire une photo pour qu'il comprenne exactement quel est mon problème. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit d'aller sur ce lien. Voilà. Ce lien, c'est quoi? C'est pour m'expliquer, parce que je sais pas, on est couillon, on est bête, d'aller dans local file, d'aller dans vérifier du jeu. Vous allez sur votre jeu de Steam, on va le faire avant d'y aller, comme ça ils seront contents, ils verront sur la vidéo que je l'ai bien fait. Dans propriété et vérifier l'intégralité des fichiers du jeu. Voilà. Et que normalement, ça rectifie tous les problèmes, mais pas du tout. Je l'ai fait 5 fois, 10 fois, 20 fois, on va le faire là pour la 30e fois, et vous verrez que ça ne change rien du tout au souci. Donc ça m'énerve à se remettre à chaque fois. Donc, je lui ai répondu en reprenant sa réponse que j'avais déjà fait 4 fois la vérification des fichiers du jeu via le lien qu'il m'a montré. J'ai déjà fait plusieurs fois. Ça ne change rien au problème. Je lui réexplique donc très simplement, mais sachant qu'ils sont allemands et que lui, il est roumain. Je crois que je capte plus, parce que quand vous allez sur le site d'Animalica, quand vous allez sur le site d'Animalica, le problème qui se passe, c'est que ils sont allemands. Ok. Vous avez les développeurs, le directeur, et ils sont tous allemands. Lui, il est roumain. Voilà. Si vous cliquez sur son nom, afficher le profil. Bucarest, Roumanie. Et vous verrez qu'Optimus, il n'existe absolument pas au niveau des développeurs d'Animalica. Ou alors, ils ont oublié de mettre les nouvelles photos des nouveaux devs. Voilà. Donc, puis là, ben, vous retrouvez ses potes sur Steam. On ne peut pas accéder à ses jeux. Donc, est-ce qu'il est développeur? Est-ce qu'il est joueur? Je ne sais pas trop. Mais bon, bref, on s'en fout. Mais bon, c'est une question que je me posais. Et l'autre développeur, c'est exactement le même problème. Roumanie aussi. L'autre, je m'étais pris la tête avec, d'ailleurs. Qui est un vrai con. Il n'y a pas d'autre mot. Mais ça, je l'avais dit au pseudo, peut-être, ou au vrai directeur, qu'il faudrait qu'il apprenne la cordialité et la politesse à ses devs qui répondent. Donc, je ne sais plus lequel c'est. Là, il y est pas. Mais enfin, c'est toujours la même réponse. Soit il vous demande de faire passer votre save. Et comme je vous l'avais dit, moi, je l'avais envoyé parce que lors de la mise à jour, j'avais je ne sais pas combien de coins. Quand il y a eu la mise à jour, j'en avais plus que 300 au lieu de 3000. Enfin, bon, bref.
Je vous ai dit que je vous tiendrai au courant. Ils ont été carrés de ce côté-là. Il a fallu que j'envoie ma save. Ils me l'ont retournée. Ils m'avaient remis même plus que ce que j'avais pour l'incident causé. Mais il avait fallu galérer pour aboutir là. Hein, parce que s'ils peuvent gratter pour essayer de nous endormir, c'est jamais leur faute, quoi. Donc, voilà, c'est lui là. Alors lui, je m'étais pris la tête avec. Parce que alors lui, plus malhonnête, il n'y a pas. Donc pareil, vous cliquez sur son nom. Afficher le profil. Il est d'où? Roumanie. Je sais pas, ils sont roumains, ils sont allemands, ils sont quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et il n'apparaît nulle part, hein, celui-là, hein, quand vous allez sur le site d'Animalica, hein, au niveau des devs. Bon, je sais pas. Mais bon, voilà, ça je tenais à vous le dire. Donc, je vois que j'ai un message. Peut-être qu'il m'a répondu. Non, c'est Halloween Pumpkins, spoiler. Alors, j'en étais donc là. Et donc, je lui ai répondu que j'avais donc fait ben, sa manipulation hein, qui m'a. Ah, ben, là, il me dit que. C'est moi qui lui ai dit. Enfin, ah non, ça, c'est quand j'ai perdu mes sous. Ok, donc ça remonte alors. Ça, c'est quand j'avais perdu mes sous. Et il m'avait demandé, d'ailleurs, ça m'avait fait sourire. Il m'avait demandé. Le dev. M'avait demandé de bien vouloir marquer sur Steam qu'ils avaient trouvé une solution à mon problème. Donc, là, je leur disais, ma monnaie dans le jeu après l'Alpha 4 a disparu. J'ai perdu mes coins, l'argent du jeu. Et là, il m'a demandé, donc Optimus, hein, toujours le même, il m'a demandé de lui envoyer ma sauvegarde. Il me l'a retournée, il a mis plus de sous que ce qu'il y avait au départ. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que. Il a bien insisté pour que je mette un mot sur Steam disant que le problème avait bien été résolu, qu'ils avaient fait leur travail. Donc je l'ai fait ici, merci beaucoup pour votre aide. Voilà. Donc, voilà. Donc en gros, voilà. Quand on a plus de 6 pages suite à une mise à jour qui a flingué un jeu, où des gens reportent qu'ils ont perdu leur base, que des fois on leur répond même, vous devriez recommencer une partie de zéro. Je suis désolée, quand vous avez. Un an de jeu. C'est un jeu qui demande énormément de temps, énormément de craft. Et que vous retrouvez sans rien, ça fout la haine, quoi. Je comprends que les gens, ils n'arrêtent pas là de leur en mettre plein la tête, quoi. Ils en ont marre. Ils ont beau essayer de s'expliquer, d'expliquer leurs bugs. C'est toujours la même chose qui revient plus ou moins. Avec des nouveaux bugs. Et là, au lieu de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire tout simplement ben, faire la deuxième partie de cette fameuse mise à jour qu'on attend tous, ben, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font une mise à jour pour Halloween. Et ils font une nouvelle carte pour Halloween. Elles sont où les autres? Celle qui était prévue, la partie 2, c'est quand qu'on l'a? Ils ont peut-être oublié de mettre l'année, ça sera dans une semaine en 2020. Je sais pas. Ouais, il y en a marre, quoi. Il y en a marre de ces devs dans certains jeux qui sont pas du tout consciencieux dans leur boulot, qui répondent n'importe quoi. Là, j'ai demandé si je pouvais envoyer ma sauvegarde de mon jeu, hein, comme je l'avais fait récemment. C'est ici. Voilà. Je lui mets, est-ce que je peux vous envoyer ma sauvegarde, s'il vous plaît? Il y a 11 heures, hein, que j'ai envoyé le message. Plus de 11 heures, la personne n'a toujours pas répondu. En attendant, le jeu, pour moi, il est impraticable et il tourne dans le vide. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a un nouveau mécommentaire suite à l'Halloween Pumpkins. Voilà, il demande, quelqu'un qui demande où c'est qu'on peut trouver les citrouilles d'Halloween. Donc ça, je m'en fous un petit peu des citrouilles, honnêtement. Je préférerais un jeu qui marche et non pas un jeu qui a toujours des soucis. Parce qu'ils ont des gens incompétents au niveau du développement, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. On ne peut pas sortir autre chose, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ce live? Ben, je vais aller dans ma bibliothèque de jeux. Animalica. On va aller dans propriété. Comme il m'a si bien dit de le faire et que j'ai fait 50 fois. Fichiers locaux. Vérifier l'intégralité des fichiers du jeu. Voilà. Donc, la progression se fait doucement.
On va attendre que ça se fasse. Voilà, donc en ce moment, il y a une grosse polémique aussi sur un autre jeu. Les Américains, comme les Français, comme d'autres, font beaucoup de vidéos sur YouTube pour crier leur ras-le-bol par rapport à ce jeu-là. Je ne peux pas le citer là, mais je le ferai peut-être, vu comment les choses tournent, je le ferai peut-être prochainement. Puisque moi, ça fait 2 ans que je le signalais, ce jeu-là, et ce problème, les problèmes qu'il y avait avec ce jeu-là. Et je m'étais fait incendier parce que, soi-disant, que je critiquais que c'était pas bien. Mais aujourd'hui, 2 ans après, les gens ont enfin ouvert les yeux par rapport à ce jeu. Je ne parle pas d'Animalica, hein, mais par rapport à cet autre jeu, les gens ont enfin ouvert les yeux 2 ans après et ont enfin compris qu'il y avait du foutage de gueule. Donc après, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des devs qui sont super sérieux. Il y a des gens qui font leur jeu et qui font du bon boulot, qui sont à l'écoute de leur communauté, des gens qui ont payé, hein, on l'a payé le jeu. C'est comme quand des devs vous donnent des clés. Si le jeu est complètement marave ou pourri, ou voilà, ben vous en tant que streamer, vous n'avez pas envie de présenter ça, quoi. C'est pas sérieux du tout, quoi. Pas sérieux du tout. Donc, ben là, voilà moi pourquoi j'ai arrêté de live Animalica. Parce que tant qu'ils m'auront pas résolu ce problème et que ça tourne en rond comme ça, et qu'en plus on nous prend pour des cons, ben ça donne pas envie de faire de la pub pour ce jeu. Et on le voit au niveau du prix, il est quand même passé de 19,99 € à 9,99 €. Voilà, au bout d'un moment, je sais pas, faut ouvrir les yeux, les développeurs d'Animalica là. Vous posez pas des questions? À chaque fois que vous faites des mises à jour, c'est le bordel. C'est le bordel et c'est pas la première fois. Donc, au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, où vous, monsieur le directeur, vous m'aviez répondu, certes, correctement et gentiment. Et moi, j'ai été correcte avec vous aussi, mais je vous ai dit que franchement, votre jeu avait énormément de potentiel, mais qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui le reprenne, quoi, ou que vous changiez d'équipe, parce que là, franchement, c'est des pipeaux, c'est des Charlie. Voilà quoi. Et puis que vous me demandiez si c'est réellement vous qui m'avez parlé, que vous me demandiez si moi, je veux pas aller voir dans toutes les maps pour regarder ce qu'il y a comme bug et vous faire un listing, faites-moi un chèque et puis je le ferai. Mais déjà, avec les vidéos que je fais et où je montre les bugs, je pense que j'ai déjà fait mon taf, hein. Donc là, maintenant, c'est franchement l'école du rire. Franchement, l'école du rire. Il n'y a rien de plus qui m'énerve. Que ce genre de personnes qui sont pas sérieuses. En attendant, on a payé un jeu et c'est une vraie merde. Voilà. Donc, ce qui est bien dommage. Donc, l'intégrité des fichiers locaux, c'est fini, hein. Je viens bien de la faire. Donc, on va baisser Steam et on va lancer Animalica. Alors, si vous parlez dans le chat, je ne vous vois pas. Donc, je suis bien en 1920 par 1080. Je suis en qualité graphique height. Donc je fais play. Je joue comme ça depuis plus d'un an à Animalica. Je n'ai rien touché. Rien du tout. Alors je vais regarder par contre si. Ouais, je suis sur le bureau. Donc hop. Jeu. Pardon. Propriété. Capture de jeu Animalica. Voilà. Ok. Donc, ici, il y a une config manette, mais je joue suis au clavier à la souris pour ce jeu-là. Donc, je presse échappe. Si vous me parlez pour l'instant sur le chat, je viens de relancer l'autre PC parce que le Wi-Fi est encore barré. Donc pour l'instant, je ne vois pas si vous écrivez. Donc, je vais faire continue. Alors, au niveau de la mise à jour qu'il y avait eu, c'était super sympa parce qu'on était tous, on râlait un peu tous du temps que mettaient les maps à se générer. Et ils avaient fait un super boulot à ce niveau-là. Les maps étaient beaucoup plus rapides.
Et on se retrouve à nouveau. Alors, ils nous ont mis des superbes images des chiens avec des explications. Par exemple, que ce Doberman est un Doberman Pinscher, qu'il est moyen de taille, qu'il est domestiqué, qu'il est originaire de tel endroit. Mais on s'en tape, franchement. Et ça prend du temps en attendant pour nous télécharger leur image, leur explication piochée sur Wikipédia, sur l'origine des animaux, de quel pays ils viennent, qui ce sont des chiens intelligents, qui donnent des alertes. Qui sont des chiens de garde, les Doberman, on le sait quoi. Voilà, et on joue pas ce jeu pour ça. On n'a pas besoin de savoir d'où vient le chien, on s'en fout. Voilà. Mais bon, en attendant, vous voyez le temps que ça prend, le fait d'avoir incrusté des images supplémentaires, on n'avait pas ça avant. Mais déjà, ça prenait du temps, ils l'avaient rectifié. Avec la mise à jour qu'ils ont fait, on a ces images-là maintenant qui apparaissent et non plus notre map qu'on avait. Donc on a ces images-là, voilà. Ok, donc là on est à ma base. Donc je vais peut-être la faire dormir pour que vous y voyez mieux. Parce qu'après ils vont me dire qu'ils y voient pas. Alors ça aussi j'ai des frises maintenant sur ma map. Je n'en avais absolument pas avant. Donc j'ai des frises maintenant. Bref. Hop. Donc on va aller faire le dodo. Comme ça on va mettre plein jour. 4 heures, on va mettre hop 5 heures. Voilà, hop, elle a fait dodo. On va la faire manger. Alors là, vous voyez, mon inventaire n'a pas de problème. Évidemment, je n'ouvre pas de crête. Donc, ça, je vous avais montré hein, le nouvel inventaire. Ça, c'est ce que j'ai loot dans la nouvelle map. Océania, tout ça là. Voilà. Les deux plantes là. Animaux, le Doberman. Voilà. Et tout ça. De l'ADN, des vieux bouquins de déco, des cœurs, etc. Ok. Donc là, vous voyez, ici, c'est coupé en deux. Ici, vous avez votre perso. Donc, je vous avais dit, hein, les gants, là, machin truc. Ici, vous avez ben, par catégorie. Hein, c'est rangé maintenant. Donc, on ne sait plus, comme je vous avais dit, quand, si on est full, si on n'est pas full. Enfin, bref, c'est le merdier. Donc, on sort de là. On va la faire manger et boire parce que je ne voudrais pas qu'elle meure pendant le live. Ce serait dommage. Donc, on regarde là maintenant. Et on ne peut plus manger aussi vite qu'on le faisait avant. Ça aussi. Manger un steak, vite fait. De toute façon, je ne sauvegarderai pas. Consume. Voilà. Alors, le problème que je rencontre, moi, est le suivant. Alors déjà, c'est plus du tout aussi fluide que c'était. Ça, c'est sûr et certain. Le coffre ici, il vole. Il volait pas. Il vole. Mais il volait déjà dans la vidéo que je vous ai montrée, suite à la mise à jour. Alors voilà, ici, les fermes que j'ai là, ici, c'est pour produire du lait. Donc, j'ai un coffre ici. Ici, c'est pour produire, je ne sais plus, des minerais. Ici, c'est le raisin. Voilà, il travaille. Il ne travaille pas. Pourquoi? Parce que le coffre, il est plein. Lui, c'est pour me faire des logs. Il ne travaille pas. Le coffre est plein. Et le problème, il est là. Quand je vais sur eux, voilà. Ça, c'est mon inventaire. Voilà. Et mon log, il est là, derrière. On le voit en sous-brillance. Et ici, vous avez normalement, on la distingue un tout petit peu dessous. Pour pouvoir cliquer pour que ça soit rangé dans l'inventaire. Et même si je venais à essayer de... Voilà, j'attrape ça. Je peux pas choper le log qui est derrière. Et là, j'ai beau faire ce que je veux. Voilà. Donc, ben là, j'ai pourtant restauré le jeu comme ils me l'ont dit. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Voilà la merde, quoi. Voilà, mon inventaire chevauche l'inventaire du coffre. Ce qui fait que là, mes fermiers ne vont pas bosser. Voilà, ils se tournent les pouces, ils font rien. Pourquoi? Parce qu'ici, il a fini. Il en fait 100, il a fini. Donc, si je ne peux pas attraper ce qu'il y a derrière et le ranger dans mon inventaire, il ne va pas se remettre à bosser. Et j'ai le problème dans tous les coffres de ferme. Voilà, là, le raisin. Je fais comment là? Je clique où? Je fais quoi là, les devs? Je fais quoi?
Donc, en attendant, je suis pinée, je ne peux rien faire. Donc, j'ai essayé, j'ai détruit, et c'est pareil pour tous. Si je vais ici, même problème, le maïs, je ne peux pas le prendre. Résultat, ici, il bosse plus, le mec. Il fout rien. Dans sa cabane, il attend. Il attend que je lui vide son coffre. Ici, idem. Voilà, je fais comment pour attraper le... derrière le wheat? Ah, je peux pas. Je peux rien faire. Faut arrêter, quoi. Donc ici, même problème pour les citrouilles. Tout est bloqué. Même problème ici. Les pommes, les apples. C'est comme ça, s'ils ne comprennent pas, je lui dis en anglais. Les apples, elles sont bloquées. Blocked. I can do nothing here. And the farmer don't want work because he has finished the job. 100%. He can do nothing now. And me, I can do nothing because I can take the item here. Ok. Donc lui, il ratisse. Ici, même problème partout. Voilà. Derrière, ici, vous avez les melons. Je peux pas les mettre. Donc, ben, il se tourne et pousse. Il attend que je lui vide le coffre. Ici, même problème. Voilà. Comment j'attrape les tomates? Tomatoes, blockade. Je peux pas cliquer, je peux faire rien du tout. Et lui, ben, il travaille pas. Il bosse pas. Il attend. Il est là. Il attend. Il a fini de travailler. C'est affolant, quoi. Une mise à jour de quelques kilobits m'ont niqué le jeu, quoi. J'avais pas ce problème, hein. Ici, pareil. Pour les bananes. Il a fini. Finished. Mais je peux pas prendre l'item. Ah, si je clique là, c'est l'eau qui vient. C'est pas les bananes. C'est l'eau. Et là, je peux pas accéder à la... À rien, quoi. Je peux rien faire. Donc, s'il vous plaît, quoi, arrêtez de demander, ah, mais vous jouez en quelle résolution? Ah, mais vous êtes sûr que vous avez fait en sorte qu'avec Steam, vous avez vérifié? Oui, la preuve, vous l'avez en vidéo, là, maintenant. Hein. Alors, vous ne me cassez plus, bon. Ici, même problème. Pour le fromage, ben, je peux pas le mettre. Cheese. Je peux pas. Je peux rien faire. Bloqué. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Je me suis dit, bon, peut-être qu'en pétant... En cassant la ferme, donc j'ai testé ici, je l'ai cassé, je l'ai reposé. La seule chose que ça m'a fait, c'est que ben, le fromage, je l'avais perdu, quoi. Il a disparu, le fromage. Quand j'ai reposé la ferme, il n'y avait plus le fromage. Donc ben, là, c'est à vous, les devs, de faire votre boulot, là, plutôt que nous mettre des pumpkins à chercher pour Halloween. Donc voilà le problème. Bref, donc ça, au moins, ils pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu en image. Donc on va aller voir cette nouvelle map, parce que franchement, si ça, c'est pas du foutage de gueule, moi, je m'appelle Mary Poppins. Ça aussi, c'est nouveau. Donc les maps ne se présentent plus comme c'était avant, alors que ça, on n'a pas été mis au courant du tout, mais du tout. Donc les maps, elles sont en bas maintenant. Faites bien gaffe où vous allez parce que c'est pas toujours très net l'affaire. Avant, c'était bien mieux. Avec la mise à jour qu'ils avaient fait, on avait toutes les maps affichées, on choisissait où on voulait aller et il n'y avait pas de problème. Là, par contre, voilà, on risque de faire des allers-retours pour rien. Donc, Nova Base, on s'en fout. Land Base, c'est pas nouveau. Corps à bord, c'est pas nouveau. Kitchen Den, c'est pas nouveau. Akali Desert, c'est pas nouveau. Green Hill, c'est pas nouveau. Amber Hill, c'est pas nouveau. Danba, c'est pas nouveau. Red Mountain, c'est pas nouveau. Slice Land, c'est où j'ai ma base, donc c'est la zone safe. Arpachi est la deuxième zone safe pour faire votre base. Iros, c'est pas nouveau là non plus. Donc on continue. Tout ça, c'est pas nouveau. Tout ça, c'est pas nouveau. Et on s'était donc arrêté à celle-là, au niveau des maps où il y avait les boss, enfin des mobs à tuer. Ça, c'était Aleria, la nouvelle zone safe où vous pouvez faire votre base, que je vous avais montré dans la vidéo précédente.
Et donc, la nouvelle map, c'est celle-ci. Océania. Voilà. Alors là, vous la voyez. Ouais, ce que vous voyez là, c'est toute la map. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ils le mettent ici. Océania est une petite île localisée dans l'océan Pacifique et qui utilise une base secrète pour le nouveau gouvernement. C'est gardé par des forces spéciales, location, enfin, cet endroit est une place pour les scientifiques, pour la City Fortress, pour cités de forteresse, quoi. Zone rouge, très dangereuse. Laissez-moi mourir de rire, quoi. Et vous voyez, après, il y a une flèche, hein, mais il n'y a rien. Parce qu'avant, on avait toutes les maps là. Et après, il y avait Coming Soon, Coming Soon, Coming Soon, Coming Soon. Là, ils les ont dégagés pour nous mettre Oceania, l'event, au lieu de bosser sur la deuxième partie qu'on attend depuis des mois. Bon, bref, on va faire Travel. Donc, au niveau de mon inventaire, vous voyez le bordel. Donc, ben voilà quoi. Et on se retape donc un temps de téléchargement. Encore. Enfin, deux en fait. Deux temps de téléchargement. Ça vient de charger une première fois et ça charge une deuxième fois. Alors, j'espère que j'ai buté tout le monde, hein, normalement. Alors, je vous redis, c'est pas des contaminés que vous avez, hein. C'est des humains qui vont vous tirer dessus. Donc, sniper. Sniper ou le revolver. Donc, voilà la nouvelle. Je vais peut-être vous faire dormir pour que vous voyez en plein jour. Ça vaut quand même le détour. Parce que si ça, c'est pas du foutage de gueule, franchement. On va aller dans Place Sable. On va prendre ici. On va mettre le dodo là. Le voyage a été long, hein. 23. Enfin, 8 heures. Ok. Donc, voilà nouvelle map. C'est bien une île, hein. Comme vous pouvez le voir. Donc, vous arrivez ici. Il n'y a pas de cheval, hein. Ce coup-ci, il n'y en a pas. Sur toutes les maps, vous avez des chevaux parce que c'est des grandes maps. Mais là, vous avez fait le tour. Moi, je suis quand même allée par curiosité. Je ne vous le cache pas, là-bas. Je suis allée à la nage sur l'autre île là-bas. Je dis, c'est pas possible. Ils n'ont pas fait ça, quoi. C'est une blague. C'est une blague. Ils ont, je sais pas combien de rapports de bugs. Ils ont sept maps à nous sortir depuis juillet. Ils nous font un event Halloween. Ok. C'est bien, c'est gentil. Mais les bugs sont toujours là. La merdier est toujours là. Ils n'ont pas le temps de faire ce qu'ils avaient annoncé pour août. Mais par contre, ils ont eu le temps de faire un event Halloween. Tout à fait logique. Donc ici, vous ferez gaffe parce que bon, moi, la zone est safe, hein, normalement. Normalement, je dis bien normalement. Sinon, ben, je me ferai canarder, c'est pas grave. Donc à partir de là, va falloir que vous jongliez avec les fougères, là. Voilà. Pour vous planquer parce que vous avez un sniper qui vont tirer dessus. Bon, moi, normalement, la zone est safe. Je l'ai faite. Donc vous avez une tourelle ici. Alors, vous montez. Vous avez 3 tonnes d'étages à monter. Il y a quelques loots en haut. Voilà. Avec le sniper, l'avantage, ben, c'est que vous allez voir assez loin. Donc, je voyais de loin là-bas les soldats, donc assez facile à tuer. Ça, c'est l'enclos que je vous disais où il y avait les zombies dedans. Après, je peux y retourner si vous voulez et vous montrer avec les zombies. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'avec mon ancienne partie, j'avais tout ce que j'ai là, mais bon. Donc ici, il y avait la petite remorque que vous voyez là-bas. Donc j'ai appuyé sur E. Elle a fait le trajet jusqu'à là-bas. Ça fait une promenade. Donc il n'y a pas énormément de loot. Baladez-vous, mais il y a quasiment rien. Il n'y a pas grand-chose. On finira par donc le vaisseau. Donc ici, il y a on va dire, les maximum 10 snipers. En tout, en comptant ce qu'il y a dans le vaisseau ici quand vous allez entrer.
Et ceux qui sont planqués ici, enfin, vous en avez un petit peu partout. Mais au sniper, vous les avez facilement. Donc si j'ai oublié ça, on va le prendre. Tant qu'à faire, je suis pas revenu pour rien. Donc je vous la montre safe. J'essaierai après de, avec l'ancienne partie, de venir là, mais je pense pas que j'ai un. Donc on peut le voir, hein. À gauche de mon écran en bas, je suis bien Animalica en alpha V4.05. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Parce qu'ils vont encore me trouver un truc. Hein. Ce sera pas leur faute. C'est pas la mienne. Moi, j'ai pas demandé un event Halloween avec des citrouilles. Je m'en tamponne. Je suis pas américaine, moi. Donc, ici, donc, c'est rempli de zombies. Enfin, rempli. Yes. Max. Max. 10 petits zombies. 2 km heure. Ici, il y a deux animaux. Ici, vous trouverez donc le Doberman que j'ai là. Voilà, lui. Une femelle. Toujours la même, hein, celle depuis le début. Et ici, vous en avez un autre qui était gris et qui est mort. Donc, vous avez juste à le ramasser. Ça fait scrunch, scrunch, bon appétit. Et ça vous fait du steak. Hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je suis montée par là. J'ai d'abord safe toute la zone en bas, avec tous les militaires, enfin, tuer les militaires humains qu'il y avait. Et après, je ne me suis pas pris la tête. Je me suis déplacée comme ça. Voilà. Et j'ai tué les zombies qui étaient ici. Voilà. Il doit y en avoir max. Max, je vais être gentil. Allez, je vais être gentil, une dizaine. Voilà. C'est tout! Vous pouvez farfouiller, vous allez trouver quelques petits trucs. Voilà. Vous pouvez looter tout autour de la cabane à zombies, là. Il n'y a pas de souci. Vous aurez des lingots, enfin, tout ce que j'ai pu ramasser. Mais enfin, rien d'extraordinaire. On ne trouve pas de T1, de T2, de T3 supplémentaires, hein, ce qui pose problème, puisqu'à ce moment-là, il faut faire les crêtes. Et pour faire les crêtes, faudrait-il encore qu'on puisse récupérer les éléments qui nous permettent de les faire. C'est quoi là-bas? Qui nous permettent de les faire, qui sont ben, bloqués. Moi, je peux pas les récupérer. Je peux pas faire mes crêtes végétales, machin, pour échanger quand les T1 et les T2 avancent dans mon jeu. Donc, quand vous allez arriver ici, attention. Vous avez des boutons verts comme ça là. Donc, vous pouvez remonter ça au cas où les zombies s'échapperaient. Donc vous appuyez, attention, hein, vous avez des mecs hein, qui vont être derrière. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc moi perso, c'est safe, je l'ai faite. Donc vous aurez ici un labo. Ah, aucune interaction possible, hein, c'est de la déco. Il n'y a pas un seul T1, T2 ou T3 là-dedans. En tout et pour tout. Ça, vous allez trouver ça, la S-Max Syringe, qui vous permet de vous restaurer votre stamina et que l'on peut utiliser dans la barre en bas de raccourci. Donc, c'est-à-dire la mettre là. Voilà. Vous allez trouver un petit peu plus haut beaucoup de boissons, de nourriture parce qu'il y a un resto. Au niveau du matériel, vous allez trouver des canettes, de la peinture. Des composants électriques, des bolts, du papier, des timbers, pas mal de lingots. Et puis, si vous craftez les 5 pierres qu'il y a sur cette malheureuse île, vous aurez des petites pierres, du sable. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc, le chien vous donnera 14 steaks, 2 pots de déco. Le chien. Vous aurez la déco, vous aurez les vieux livres, des cœurs corrompus. Vous aurez cette boîte de storage qu'il est impossible d'ouvrir et que vous pouvez changer auprès des traders. Bon, ça, vous le connaissez. Et 2 cristaux comme ça à pouvoir. Mon autre PC m'embête. Hein, parce que si vous me parlez, je ne vous vois pas. Donc, et 2 cristaux comme ça. C'est tout! Cherchez pas plus, hein, il n'y a pas. Et ensuite, vous aurez un toolset numéro 2, un toolset 1, un toolset 3, donc le coffret de 3.
Vous aurez des kits pour un kit pour le shotgun pour le monter en level en puissance, un kit sniper pour le monter, deux kits sniper ou un, je sais pas, j'en ai peut-être avant, et un ADN. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à prendre ici. Voilà. Par contre, qu'est-ce que vous allez consommer en bouffe, en boisson et en cartouche? Voilà. Donc, il n'y a même pas un animal rare. Hein. Ici, c'est rempli. Bah ouais, j'en ai même oublié. Un antibiotique. Voilà. Donc, partez pas sans antibio parce qu'ils font très mal. Par contre, quand ils tirent, ils n'ont pas besoin d'être nombreux. Ils font très très mal. Donc, pensez à prendre un stock d'antibio avec vous. Donc, par contre, on peut quand même dire qu'ils ont fait des efforts sur la texture, mais ça, on s'en tamponne, hein, c'est brillant, c'est joli. Ça me fait plutôt penser à un bateau de croisière, un grand luxe, qu'à cette station. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. Voilà, donc n'oubliez pas de fouiller toutes les pièces. Hein. Là, vous aurez pas mal de loot sur ces deux étagères-là. Ici, il y aura. Ah, bête, hein. Hop. Il a repop, lui, ou j'ai oublié. Bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est des déco. Hein. N'essayez pas de rentrer, vous ne pourrez pas. Bon, je vous conseille avant de partir là-bas de finir le rez-de-chaussée, quoi. Donc ici, vous montez, donc vous allez avoir un mec ou deux, je ne sais plus. Donc vous les tuez. Et après, vous allez pouvoir loot sur l'étape des restaurants beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de bouffe. Une canette vide, mais moi je l'avais laissée parce que ça ne m'intéresse pas, j'en ai plein. Voilà. Vous aurez sur toutes les tables là, de la bouffe, des bières, des boissons. C'est un resto, hein. Rien de plus. Beaucoup. Les pièces sont très sympas, le design est très sympa, il n'y a rien à dire, mais bon, c'était pas ça qu'on attendait, quoi. Et je comprends pas que des gens demandent. Excusez-moi, mais j'ai pas trouvé les citrouilles. Où c'est qu'elles sont? C'est pas vraiment le problème là. C'est que quand même, on attendait cette map. On n'attendait pas des citrouilles, quoi. Enfin bon, bon, je le vois comme ça. Après, chacun le voit à sa façon. Mais je trouve ça bizarre que les gens ils pètent un câble là sur Steam en leur disant voilà, j'ai tout paumé. Ou alors, mais attendez, la mise à jour, vous l'aviez promis, vous l'avez pas fait, tatati, tatata, quand c'est qu'elle va sortir? Ils sont incapables de nous dire quand, mais par contre, il nous faut une mise à jour de 2 gigas ce soir pour cette merde. Franchement, faut arrêter, quoi. Donc, ici, hop, vous pouvez vous balader. Ça, vous le piquerez pas, c'est. On peut pas. Donc, ici, ben, c'est. Alors là, il y avait un bug. Monsieur le directeur, vous aviez un bug ici. Il passait le bras à travers le mur là. Voilà. Donc vous appuyez sur eux, la porte s'ouvre. Il va être là. Moi, il était à moitié bugué ici, le soldat. Je lui ai tiré dessus, ça. Aucun dégât. Rien du tout. Il a fallu que je ressorte, que je referme la porte, que je la rouvre. Et arrivé, il s'est déplacé jusque-là sans me voir. Et arrivé là, j'ai pu le tuer. Voilà. Et là, à quoi sert tout cet endroit? Il n'y a rien. Il n'y avait rien à looter, qu'un mec a tué. Un soldat humain. Voilà. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de T3 au mur, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de loot, il n'y a que dalle. Bon, bref, passons. Ici. Ah, ben, il a disparu. Mais bon, ici, vous n'aurez pas de soldats qui vont essayer de vous tuer. Vous aurez du loot à prendre ici. Du loot à prendre tout autour des armoires. Et ici, vous aurez le corps d'un scientifique. Voilà, qui n'a rien sur lui du tout. Hein. Donc, voilà. Donc là, on a tout vu. J'ai refait deux fois. J'ai regardé sur les murs. Il n'y a rien. Que dalle. Donc, on va finir là. Donc ici, eux. Je me suis pris la porte dans la tête, comme d'hab. Ici, vous risquez rien. Au début, vous êtes là, warning, danger. Non, par contre, il y a beaucoup de trucs à ramasser, quoi. Des pots de peinture, des trucs qui sont planqués à droite et à gauche ici. Jusque-là, pas de problème. Aucune interaction possible avec quoi que ce soit. Ça peut vous permettre, vous voyez, de jeter un œil dehors. Voilà. Donc, fouillez bien tous les recoins, regardez derrière. Hein. C'est juste du loot. Et ça pète pas trois pattes à un canard.
Donc ensuite, où est passé l'ascenseur? Non, ça c'est pour partir. J'ai perdu mon ascenseur du coup. Donc là, c'est la grande pièce. Hop. Ici, c'est la petite pièce. Je suis bête, c'était juste à gauche en sortant. En sortant de la descente d'où on vient. Là. Donc là, pareil, hein, vous prenez l'ascenseur. Je me suis dit, ouh, ça pue. Donc j'ai regardé. Je fais tour. Que dalle. Rien à loot. Dans l'ascenseur, pas de T1 au mur, pas de T2. Alors, ils ont rajouté des sons. Si pour eux, c'est très important qu'on entende le dong de l'ascenseur pour nous dire « Vous êtes bien arrivés au deuxième étage de la base. Soyez les bienvenus. » On s'en fout. Franchement, on s'en tamponne. Ce qu'on veut, c'est un jeu qui marche. Les devs. C'est ça qu'on demande aujourd'hui. On demande un jeu qui soit fonctionnel et non pas ce qu'on vient de voir. Parce que moi, là, je fais quoi avec ma base, là? Je fais quoi avec mes farms, là? Je peux rien faire. Excusez-moi, un problème avec ma cigarette, ma fausse cigarette, qui ne veut pas me prendre. Voilà. Donc, ils ont rajouté des sons, c'est bien, on est content. Donc ici, vous ferez gaffe, il y a un tireur qui va vous, à peu près par là. Voilà, vous allez vous avancer, on va vous tirer dessus. Donc après, c'est terminé, il n'y en a plus. Ici, vous allez descendre. Vous aurez un scientifique ici au sol. Pareil, il y a quelques loots autour de lui. Mais sur lui, il n'y a rien. Et là, je commençais vraiment à me poser des questions, à me dire, mais putain, mais ça sert à quoi, quoi, leur truc là? Alors, est-ce qu'il faut se taper encore toutes les maps pour aller chercher ces trouilles? Pff, franchement. D'accord. C'est pour poser des citrouilles. À ma base, je m'en fous un petit peu, moi personnellement. Donc je me suis tapé quand même toutes les rangées. Hein. J'ai dit, vu qu'ils planquent bien quand même les items, je me suis tapé toutes les rangées. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Donc on repart, on reprend notre ascenseur, on est content. Donc là, on y est allé. Voilà, donc là vous avez fait en fait le tour. Là c'est le labo en bas, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là vous avez fait le tour. Voilà ce qu'ils appellent leur nouvelle map pour Halloween. Enfin bon, ça c'est pas un problème. En fait, nous on attend avec impatience, c'est pas les maps Halloween qu'on attend, c'est maintenant que notre jeu soit réparé. Suite aux boulettes qui ont été faites avec la mise à jour. D'avoir un jeu qui fonctionne et non pas un jeu complètement buggé. Donc après, ben, vous visitez les tourelles parce qu'il y a du loot. Mais bon, c'est rien de bien important. Les deux cristaux, je vous ai dit. Et ensuite, bon, ben, quand vous avez tué, en montant là-haut, ben, les zombies, hein, tout bête, hein, vous les voyez pas tous, hein, par contre, hein, vous allez appuyer là. Vous allez rentrer. Et là, ben, il va y en avoir deux, trois, ici, là, que vous n'aurez pas vu d'en haut. Donc là, il y a du sang partout. Il y avait des squelettes là qui n'y sont plus. Donc voilà. Et quand vous avez fait ça, ben, vous avez fini. Du moins au niveau de la nouvelle map Halloween. J'ai fouillé partout. Honnêtement, j'ai fouillé partout. Je suis allée. Je dis, bon, ils l'ont déjà fait dans d'autres maps. Sur les îles, il y avait des choses, etc. Je suis allée nager sur les îles là-bas. Je suis allée sur les autres îles qui sont un petit peu plus loin. Voilà, qui sont là-bas. Voilà, je me suis tapée. Ah, mais même, j'ai pas vu ce cristal-là. Mais à cool, pas. Il y a trois cristaux, excusez-moi. Trois cristaux. Comme je m'en sers pas, c'est vrai que je n'ai pas porté attention. Donc trois cristaux. Enfin, il n'y a aucun animal à sauver ici. Hein.
Mis à part le Doberman qu'on a en 50 millions d'exemplaires déjà. Alors, ou c'est moi, ou il m'énorme, elle met énormément de temps là, à le taper le truc. Et voilà. Ouais, bon. C'est bien, on a récupéré ça, ça va pas me servir, mais bon. Bref. Donc j'ai tout fouillé, je suis allée dans les herbes, je suis montée, je suis allée sur les îles là-bas. Il n'y a rien, vous fatiguez pas à y aller. Il n'y a que dalle. Il n'y a même pas une herbe au sol, ni un champignon, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien. Alors, en vous baladant, par contre, il y a un ou deux tireurs qui sont isolés. Voilà. Donc, faites gaffe à ça. J'ai vu une croix. J'y suis allée. Là, je dis avant de repartir. Une croix. Peut-être quelque chose. Un coffre planqué. Quelque chose. Nada. Que dalle. C'est une croix. Bête, méchante, basique. Qui je trouve est super grande par rapport à moi. Peut-être un effet d'optique, j'en sais rien. Alors j'ai pas pris ça. Oui, elle aussi elle a marre. Ouais, prends-le. Comme ça on n'aura plus mes lits. Hein. Je peux pas faire mieux, j'ai pris tous les cailloux. Ils ont peut-être repop depuis. Mais bon. Alors, je sais pas si avec l'autre partie... Je vais essayer avec une autre partie. Donc là, vous avez vraiment tout vu de la map. Alors, est-ce qu'ils ont implanté sur les autres maps des zombies aussi? Est-ce que pour ceux qui sont amateurs des citrouilles, c'est sur les autres maps, en tout cas, ce n'est pas sur la nouvelle map. Autre question, est-ce que cette map va rester par la suite après l'event? Je ne sais pas. Donc, ben, par curiosité, ce qu'on peut faire avec cette partie-là, du moins, c'est aller voir... Ben, on va aller à la première. Alors, il ne suffit plus maintenant d'appuyer là. Hein. Vous appuyez là, ça vous sélectionne la map. Si j'appuie là, j'ai bien l'unbase. Donc, avant d'appuyer, on y allait. Maintenant, non seulement il faut cliquer, on nous explique ce que c'est Nova. Un archipel, un petit archipel d'un méditerranéen. Bref. No comment. Alors, on a droit, vous voyez, le premier téléchargement va super vite. Alors, ce coup-ci, on nous explique ce que c'est qu'une hyène, d'où elles viennent. Qu'elles ont un rire bien spécifique, un cri bien spécifique qui fait penser à un rire, hein, ça, personne ne le savait. Ouais, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Il n'y a pas d'autre mot, ça m'énerve. J'appelle ça du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du foutage de gueule. Quand on n'est pas foutu de tenir une mise à jour et qu'on vous dit que dans une semaine, il y a déjà vous avez 2 mois de retard, vous faites qu'une première partie expliquant que bon, il y a des trucs qui ne vont pas. Bon, ça, on l'avait vu. Mais qu'en plus vous dites que comme c'est pas au point, qu'il y a plein de bugs, que il va falloir être patient pour la deuxième partie où on attend tous les nouveaux animaux, etc. Ok, il y a patient et patient quand même. Et que là on voit qu'ils nous sortent, ils ont eu par contre le temps de faire une map. On se demande s'ils s'occupent des bugs, hein, sans déconner. Hein. On va regarder si on trouve des citrouilles. C'est pas du tout ici j'avais tout plumé donc en bas on a toujours notre logo qui n'apparaît pas par contre vous l'avez remarqué j'espère logo violet en bas à droite de l'écran avec area cleansed c'est tout simplement elle est à 64% ça veut dire quoi ça veut dire que elle est pas à 100% donc il reste des mobs à tuer ici quoi. Donc là ça on peut rien en faire hein, toujours pas. Je sais pas, je vais voir si on trouve des citrouilles, moi. Je sais pas, je suis bête. Il y a un event. C'est pas sur l'île qu'ils ont mis. Où elles sont, leurs citrouilles. Bien que ce soit pas trop l'objectif de ce live. Enfin, voilà. Donc, moi, perso, je vous ai montré mon bug. Vous avez vu toutes les pages de bug qu'il y a. Je vais pas safe, là.
C'est important. Alors, je ne rouvrirai pas certains coffres pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvée bloquée. Donc, voilà. Ah, il y a un survivant là. C'est quoi ça? Non, c'est un sanglier. Là, on a un renard. Mais là, on est parti pour regarder s'il y a des citrouilles. Hein. Donc, s'il faut se retaper, alors déjà, quand ça fait un an qu'on est sur le jeu, que on a déjà safe toutes ces zones. Il y a des petits lapins qui ont repop, que j'avais pas attrapé, on ne sait rien. Qu'on vous annonce que non, tout compte fait, avec la mise à jour, il y a des nouveaux champignons un petit peu partout qui ont pop, il faut refaire toutes les maps parce qu'elles ne sont plus save. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc là, maintenant, on doit se retaper toutes les maps alors pour trouver des citrouilles. Je le vois comme ça, puisque dans la map, il n'y a rien. La nouvelle map. Et là, leur citrouille, j'ai absolument aucune idée. Je chercherai, je regarderai, mais bon. En tout cas, dans les baraques, il n'y a que dalle. Hein. Je crois que j'ai pas safe une île là-bas. Je crois qu'ils sont là-bas, les mobs. Hein. Sur celle-là. Mais bon, bref. Enfin, vous imaginez pour des citrouilles, pour fêter Halloween, qui n'est pas une fête française, qui est une fête typique américaine. Bon, bien que ce soit la mode maintenant de faire les fêtes américaines, bien que les Américains ne soient pas trop chauds pour ça, ayant vécu 2 ans là-bas. Halloween aux États-Unis, c'est loin d'être Halloween en France. Et je peux vous dire que les Américains n'aiment pas trop qu'on leur. Leur fête, c'est leur fête, quoi. C'est comme nous, si nous prenez nos fêtes à nous, festival de la musique, etc. Enfin, je vous en passe. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais bon. À chacun son. Ses fêtes, chacun ses. Ces événements quoi dans chaque pays. Mais bon, la mode est à faire Halloween. Enfin, moi je le ferai pas sur ma chaîne en tout cas, c'est sûr, vous le savez. Mais bon, moi niveau citrouille là, excusez-moi, mais s'il faut que je me tape toute la map pour trouver 4 malheureuses citrouilles alors qu'on l'avait dans le workbench, on les avait dans le workbench avant, je comprends pas. Je sais pas. On verra peut-être. Hein, il y en a peut-être qui vont les trouver et puis ils posteront sur Steam à la réponse ou à la personne qui a posé la question parce qu'elle n'a pas l'air de les avoir trouvées. Elle non plus. Enfin, moi, je vous avouerai que c'était pas mon. Ben, on va essayer la seringue là. J'ai plus de stamina. Si je prends la seringue en zéro. Oh, ça pique. Ok, ça remonte donc. Alors, on n'a que 11, 11 injections. Alors, est-ce que ça va pouvoir se les craft? Je ne sais pas. Donc là, en tout cas, il n'y a pas de pumpkins. Hein. Alors, est-ce qu'il faut se taper toute la map? Je sais pas. Je n'en sais rien. Je pense pas que dans les storages ils soient allés foutre des pumpkins. Alors, par contre des trucs qui en repop depuis le temps. Non.
Alors attendez. Vous voyez? Là, j'ai pas le problème. Là, s'il y avait eu quelque chose ici, si je fais ça, il y aurait eu ça. Voilà, je fais ça, ça va dans mon inventaire. Comment je fais ça dans ma base? Je peux pas. Impossible. Bon, ici, il n'y a pas de pumpkins. Il n'y a rien du tout. On a le cheval qui n'a pas bougé, le pauvre pépère. Lui, on ne peut pas l'amener avec nous. Là, il n'y a pas de problème. L'inventaire ne surplombe pas la première case ici, ce qui fait que je peux prendre. Pas ma base, quoi. Bon. Eh bien, on va retourner à la base. Je vais essayer de charger ma save. Précédente. Alors, travel tout, j'avais oublié. D'accord. Alors là, il n'y a pas eu de bug non plus. Elle se serait fait une autre injection toute seule de... On en avait 11. On va voir quand on va être arrivé. Donc là, retéléchargement une première fois. Bon, là, on nous explique ce que c'est qu'un hippopotame, d'où il vient. Voilà. Et là, deuxième téléchargement maintenant, qui prend 3 plombes encore, pour arriver à notre base. Tout va bien. Enfin, il vient du... Afrique du Sud, Sahara, hippopotame. Ça occupe hein, le temps du téléchargement, on s'instruit, mais encore faut-il parler anglais. Trois téléchargements, là c'est mieux en mieux. Mais remarquez, on a quoi lire. Ils ont peut-être mis ça pour nous occuper le temps de, du chargement. Il est de la famille des hippopotamidae. Hippopotamidae. Il est de loin l'animal le plus dangereux dans le monde. Je crois pas, moi. Il peut être très agressif. Et imprévisible. Oui, mais enfin, il y a plus dangereux que lui, hein. Je crois pas que ce soit le plus dangereux dans le monde, quand même. Mais bon. Regardez le temps que ça prend, le téléchargement, quoi. Trois téléchargements pour retourner à ma base. Ça. Il y a de quoi devenir dingue avec ce jeu. Et je l'adore ce jeu. Et vraiment, ça me gonfle. Et en plus, je comprends pas, quoi. Je comprends pas leur truc. Là, c'est pareil, ces frises-là, je les avais pas. Je les avais pas depuis la mise à jour. Alors, si j'ouvre un coffre comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, je prends ça, je vais le mettre là, mais il est full, donc je peux pas le mettre. Mais bon, vous voyez, je peux déplacer. Si je voudrais avec ça, je le prends, je le mets. Voilà. Ça, oui, là, l'inventaire, il est correct. Pas de problème. Par contre, là où il y a un problème, c'est vraiment ici. Voilà. C'est même pire que tout à l'heure. Comment je fais pour attraper le lait qu'on voit derrière là? Je peux rien faire. Et le mec, il a fini, quoi. Finished. Et le lait, le milk, il est là, quoi. Comment je l'attrape? Si je venais même à faire ça, je peux rien faire. J'attrape ça. Je vais leur faire une vidéo que je vais mettre sur Steam où je parlerai en anglais. Je vais juste leur filmer l'inventaire et leur dire voilà comment on fait là. C'est tout. Puisqu'ils veulent des images et des preuves, ils ne se remettent pas en question. Voilà, là, c'est pareil. C'est au niveau des fermes. Après, je peux aller voir au niveau conteneur, je pense pas qu'il y ait de problème. Des stockages. Il n'y a pas de souci, quoi que le j'ai ici. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez là, je peux facilement transvaser mes trucs sans problème. C'est pas... On leur demande pas la lune, on leur demande de faire du bon boulot. Apparemment, c'est trop leur demander. Bah lui, balai, hein. Il ne peut pas traire les vaches, c'est pas rien.
Et au niveau des storages, au niveau du workbench, donc les pumpkins n'y sont plus. Elles étaient, si ma mémoire est bonne, dans une décoration qui n'y est plus. Donc on a bien les enclos, toujours ben, toutes les fermes qui, pour l'instant, sont bloquées. Les shelters sont bien là, patouées, les routes, les consommables, les stations à crafter. Les défenses, le lit, les bougies, les enrichissements, les barrières, structures. On avait des citrouilles. Là, c'est les maisons de déco. Les fournitures en décoration pour meubler les maisons. Les stourages. Le matériel. Ok. Les outils et les armes. Ok. Et donc, il n'y a plus les pumpkins. On va aller voir dans le workbench avancé si on voit comment on peut se, si on peut se faire des seringues. Alors, je pense pas qu'on puisse les crafter. Hein. Il va falloir les loot, mais où? Non, on retrouve la même chose. D'ailleurs, j'ai pas trouvé trop de différence entre le workshop avancé et le workshop normal, quoi. Voilà, non. Alors si on a le l'amélioration des shotguns, du sniper, il faudra que je fasse ça aussi. Mais quand ça marchera, les citrouilles n'y sont plus. Alors j'en avais posé une avec le petit chat. Voilà, ici. Hop, quand je l'avais dans le workbench. Donc voilà les citrouilles. Alors elles ont des tailles différentes, des têtes différentes. J'en ai fait qu'une. Je voulais voir si elle marchait, si elle fonctionnait. Parce que sur une vidéo YouTube américaine, elle les a mis dans un enclos comme celui-là et elle bougeait comme les animaux. Donc j'ai voulu tester, mais je sais pas, chez moi il y a une panne. Elle ne marche pas. Elle bouge pas. C'est de la déco. Voilà. Donc si on doit courir trois plombes pour chercher quatre citrouilles en déco. Ce que je voulais voir aussi, c'est si j'avais pas perdu avec la mise à jour les pandas. Et après, on va essayer de voir en lançant la nouvelle partie. Enfin, la nouvelle partie, pas la nouvelle partie, là. Donc là, on a le panda rare qu'on a acheté au trader. Donc deux. Normalement, il y a deux couples et deux petits. Donc là, j'en ai deux. Deux grands. Trois grands. Un petit ici. Alors, j'ai bien les deux couples. Il me manque un petit. J'en ai qu'un seul là. Ok, c'est cool. Donc j'ai un bébé de moins. Ça valait le coup que je me crève à l'endormir. Ah, il est là. D'accord, il passe à travers le truc. Bon, je les ai pas perdus, ils sont bien là. Mais ils passent à travers les rochers. D'accord. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai rien paumé de ce côté-là. Et au niveau. Oui, alors ce que je perds tout le temps aussi, c'est dans la verrière pour faire pousser. Hop. Ça disparaissait non-stop. Donc je les ai rebutés 5 ou 6 fois. Parce que quand j'ai lancé ma partie, elles n'y étaient plus. Bon là apparemment elles y sont, donc voilà. Mais là par contre ici il n'y a rien qui pousse et je peux rien y mettre. Donc je sais pas. Mais ça c'est on s'en fout un petit peu quoi. Oui, ce que je voulais voir c'est dans les animaux. Tous les animaux que j'ai ramenés. Que j'ai pas perdu les rares avec leur mise à jour. Parce que ça, je suis pas allée jeter un œil par contre. Et si je les ai paumés, ça. Oh alors là. Parce que rare, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je crois que j'en avais fait un spécial. Ça, c'est tous les. Commun, j'avais fait une troisième boîte avec que les rares.
Attends, le petit chat qui pleure. Alors, ici. Légendaire. Légendaire. Voilà, les oranges sont des légendaires. On l'avait vu ensemble, donc pour l'instant, je pense pas en avoir paumé. Si, j'en ai perdu. C'était plein. Ouais, j'en ai perdu. Bon, écoutez. Du moment que c'est pas les rares, hein, ou les légendaires, on s'en fout, peu importe. Ok. Non, j'en ai perdu. J'en ai perdu pas mal. Hein. Ici, ici. Tout ça, c'était plein. Bref, bon, c'est pas grave. Ok. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est. Je vais essayer de vous montrer la carte. Alors, je ne sais pas si, si j'ai le sniper, par contre, sur l'autre sauvegarde. Si j'ai pas le sniper, je risque de mourir. Mais bon. Au moins, vous la verrez. Alors. Je vais quitter. Je vais pas save puisque c'est pas la peine. Donc là, c'est ma sauvegarde que j'utilise pour le jeu. Donc on va télécharger celle du 29. Ou alors celle-là. 31 juillet. Celle-là, peut-être. J'avais peut-être pas fait la map encore. On nous explique ce que c'est qu'une vache, là, maintenant. Bon, autant que ça charge, je vais me prendre un coca parce que. Hop! Donc voilà, donc vous aurez vu la nouvelle map qui propose pour Halloween. Vous voyez que les promesses marquées par écrit sur Steam sont toujours pareilles, elles ne sont pas tenues. Vous avez plus de 7 pages de report pour des bugs. Je préfère même pas mettre à la place de ceux qui ont perdu leur base. Quand je vois le boulot, moi, que ça m'a pris, le temps que ça m'a pris, le craft que ça m'a pris. Mais franchement, je ne suis pas étonnée des réponses des gens qui leur disent « Mais vous plaisantez quand vous me dites ça ?» Est-ce que là, j'ai le même problème? Ouais. Toujours pareil. Voilà, alors là, j'ai rien. Comment je fais pour attraper ce putain de lait derrière, là? Je peux rien faire. Ok. Donc. Alors, ce qu'on va faire, on va manger, on va boire. Je pense pas que j'avais save la zone. On va essayer. Alors, on va boire. Consume. Et bon, je vous garantis pas que je vais arriver à faire du sensationnel. Hein. Je suis morte une fois ou deux. Donc on va dormir. Et on va aller donc voir la map. Et vous allez voir les 4 heures. Donc on va mettre 4 heures. Et vous allez voir le fait qu'elle soit en rouge, que ça n'a aucune utilité. Excusez-moi, je bois un coup. Hop. Bon, j'ai bien mon sniper, oui. Allez, go. Donc, on va aller donc sur la nouvelle map, Oceania. Travel to. Je vous passe la cinématique. Et on a droit encore maintenant à la biche. Hein. Donc, un temps de téléchargement. Un deuxième temps. Est-ce qu'on va avoir un troisième? On va s'instruire. Une biche européenne, Capreolus, Capreolus. Un chevreuil, pardon. Ok, donc là je me ferai pas avoir comme le premier coup.
Bon, j'ai attrapé mon fusil normal. Je pense pas l'avoir fait, hein. Sinon, on en prendra l'autre. Alors, vous voyez, ici. Alors, on va compter. Je vais me reculer pour pas me faire choper quand même. Donc, on en a un là. Alors, ça fait un. Un ici. Un ici, deux, trois. Deux là, quatre, cinq. 6 là-bas. Et il y en a un septième là-bas. Donc si vous les tuez pour sniper, ils vous déglinguent. Putain, j'en ai deux qui m'arrivent dessus. Super, cool. Ah, ma souris qui bouge trop. Je vais me prendre en pleine poire. Je vais mourir. Alors, ils avaient rectifié le bug hein, de la musique, hein, c'est bien ça? Ah ben les voilà. Je me tire dessus, ces enfoirés. Putain, je vais crever. Je l'ai perdu l'autre. Ah mais t'es là toi. Ça fait deux. Hop, échappe. On se soigne tout de suite. Hein, si un conseil à vous donner. Vous inquiétez pas, vous allez pouvoir les loot. Ah, vous avez vu, ils sont pas. C'est pas des mobs contaminés. C'est des humains. Tireurs d'élite, apparemment. Donc, on a dégommé deux. Donc, on peut les loot. Voilà, ça fait un petit peu comme les mobs. Donc, on a gagné des coins et des balles de pistolet. Et là. Pareil. Ok. Donc, ça fait deux de moins. Alors. Passer par là. On va la jouer intelligent, si on peut. Parce qu'il faut se mettre au niveau des développeurs, là. Bouge pas, Lycos. Deux. Je sais pas trop où il est tombé. Ici. On peut oublier qu'il y a ses copains. C'est le moment que tu recharges, t'es. Les deux. Alors, je donne encore des coups de souris à cause de mon bras, hein, vous m'en voudrez pas. Il y en a un autre là-bas et un là.
Il y en a deux là. Trois. Peut-être attendre qu'ils se dispatchent. Hop, deux. Merde, lui m'a vu. Hey, c'est pas le moment que tu recharges, hein, pépette. Ouais, mais vous foutez de moi là. J'ai tout eu là? Un survivant? Voilà, donc c'est en zone rouge. Si on en a encore un là-bas, je crois. Ouais, ici. Merde. C'est une blague. Ah, c'est le moment qu'elle recharge à chaque fois, je vous jure. T'as raison. Voilà. Vous voyez, c'est humain. Hein. C'est pas. Et on en a un autre là-bas. Deux. Quand il a rien vu à côté. Tout est normal, pote. Hein. T'es en train de crever, mais tout est normal. Voilà. Ok. Donc là, on a fait le vide ici, du moins. Donc, on va les loot. Un. Ah, mais on en a un autre là-bas. Je ne l'avais pas vu, lui. Marqué, hein. C'est compliqué de le voir. Il y a un coup flou, un coup normal. Donc, je peux pas le buter. Ok. Voilà, vous avez un bug en live. Il est où le mec là? Il a pop où lui? Il est remonté en haut? Peut-être. On va dire ça. On va dire qu'il est remonté dans l'avion. Il a eu peur de Tata Shirel. Il s'est dit oula, ils sont tous morts, je me casse. Elle est violente la fille. Il y a un pop dans le dos. Donc, vous voyez, ils sont bien humains, hein, au visage. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de petites notes. Il n'y a rien du tout. On ne sait pas ce que c'est. Normal. Et on en a buté un là-bas. Bon, j'en oublie peut-être, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pour vous montrer. C'est pas ma partie. Voilà. Là, il y en a un là-bas. Là. Il est où? Je sais pas. Donc, on va se foutre là. Parce qu'apparemment, il m'a bien touché, cet enfoiré. Il est dans l'avion, en fait. Alors, on va se soigner. Ok. Alors. Ce que je. Ouais. Il y a la musique. Bug pourtant marqué et résolu. Mais vous voyez, là, qui m'attaque? Personne. Je vais peut-être me faire tirer dessus de là-haut. Non. Donc. Ici, comme je vous disais. Voilà. Je vérifie quand même. Parce que... Ici, donc, Doberman. Toujours pareil, hop, vous le prenez, pick up, désistable, comme d'habitude. Et ici, celui-là, par contre, hélas, vous pourrez rien faire, il est déjà KO. Pareil, problème d'affichage,
Ah, ça fait du steak. Alors, les zonzons. Oui, c'est ça qui vous intéresse en fait, les zombies. Alors, on va monter. Pas besoin de. Super zombies qu'ils ont mis. Voilà. Ici. Voilà. Donc, ben. Faites mumuse, hein. Un de moins. On vous a tué un max de là. Comme ça, vous êtes tranquille quand vous allez rentrer. Alors, c'est apparemment des humains aussi, hein. Enfin, des humains zombies. J'ai un. Vous voyez le bug là? On le voit là. Il tire à travers. Enfin. Il y a un autre soldat. Qui est bugué. Par où il va m'arriver. De là-haut. Ça valait bien la peine. Avant de le looter, vous voyez, il est bien humain. Bon, ils ont tous la même tête, ils sont pas non plus très fatigués sur le design, hein. C'est pas fait toucher, non. Bon, on va descendre aux zonzons. Donc ici, vous avez du scrap métal à loot, hein. Ici, vous avez pareil, du scrap métal encore. Ici, des lingots. Ah, j'en ai un autre qui est là-bas. Ils descendent de l'avion, hein. Donc, ce serait déjà ça de moins à tuer là-haut. Alors, ici, bien entendu, vous aurez les lingots. Donc, on va rentrer dans le truc à zonzon. Ici, vous avez des timbres. N'oubliez pas que ça a changé de design. Pareil, propre d'affichage pour ouvrir la porte. Oh merde, je l'ai pas vu. Hop là. On va prendre. On va faire plus vite. Vous voyez, ils sont vachement dangereux. Voilà. Il y avait marqué quoi? Des zombies super dangereux. Ok. Donc on les loot. Ça vaut une zone rouge, hein, parce que là on a quasiment fini. Hein. Il nous reste l'intérieur de l'avion avec des soldats.
Bon, je les prends quand même, hein, parce que bon. Alors là, je sais pas, doit y avoir des effets, mais c'est raté, hein. Je suis en height partout, hein, mais là, niveau des effets, c'est raté aussi. Je sais pas, ils ont dû faire des particules ou je sais pas. Ok, donc on peut ressortir une fois qu'on a tout looté. On reprend ou le sniper ou le revolver. Bon, dans l'avion, moi j'ai préféré prendre le revolver. Alors c'est sûr qu'on leur fait moins mal, mais bon. Et au cas où je meurs, je fous les balles ici. Alors. Allez, on est parti pour rentrer dans l'avion. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui soient descendus. Non. Bon, je vous évite. Je ne vais pas monter là-haut. Vous avez du loot, des munitions dans les trois tourelles. Donc, je ne vais pas les faire. C'est pas la peine. En tout cas, il n'y a pas la queue d'une pumpkin ici. Hein. Donc, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, là, c'est pas vide. Hein. Niveau loot et craft, on retrouve un... Voilà, on a fait un petit tour de manège. Voilà, ici, vous avez tout ça à prendre. Des shotguns, des bières, la nourriture, des tranquilliseurs, des antibios. Des anti-cannes, des flèches électriques, les kits que je vous ai montrés et une radio à récupérer qui vous donnera sûrement du scrap metal, je pense. Donc là, ici, pas la queue d'un ennemi. Là, il n'y a pas de loot et pas de T1, T2, T3 sur les murs. Pas de papier, rien. Pas de notes, on ne sait pas. It is the question. Moi, j'ai commencé par le rez-de-chaussée. Je crois qu'il y en a un par là. Même pas. Donc là, vous voyez, il y a plein de bouffe, de nourriture à prendre. Gardez les bretzels. Les bagels, pardon, moi j'appelle ça des bretzels, mais gardez les bagels pour vos crêtes, pour faire des T1, T2, T3. Ne les mangez pas là, vous avez assez de barres énergétiques sur vous et de poulet et de trucs pour ne pas les manger, parce que moi ça vous évitera de les consommer pour... pour faire vos crêtes, pour les échanger aux traders. Donc on va boire un coup. Alors maintenant, il faut un temps de... Il faut qu'elle mange un truc. Hop. Il y a tout ce temps à attendre pour se remettre de la vie. Non. Alors, vous voyez, au mur, il n'y a rien, quoi. Hein. C'est de la déco. Hein. Et même si vous regardez les affiches, ça n'explique rien, quoi. Bon, il y a des plantes à piquer. Voilà, par exemple, celle-là. Pour décorer votre base. Bon, je ne les ai pas toutes prises parce que, bon, voilà. Dans ma partie, j'en ai pris que deux. Alors. Trois. Il était bloqué, moi, ici. En fait, il y en a un là, ici.
Normalement. Ah ben non. Eh ben il était peut-être descendu. C'était un de ceux qui est descendu. Voilà. Donc ici, pareil, vous avez dû vous apprendre. Antibiotiques, des snipers, ça fait pas de mal, on a bien besoin. Une plante décorative. Là, donc le scientifique, alors je me suis dit, il a peut-être quelque chose à donner. Il n'y a que dalle. Des vieux livres. Un vieux microscope qui vous donnera du métal et du papier. Voilà. On y est allé. C'est l'ascenseur. On va aller là. Donc ici, il n'y en a pas normalement, à moins que ça change. Mais donc ici, vous avez un vieux radiocassette à récupérer. Une boîte d'outils. Une peinture. Ici, notre peinture. Mais il n'y a pas d'animaux rares, de pumpkins ou quoi que ce soit là, sur cette map. Ici, vous avez un tool set à prendre. Regardez bien derrière. Vous voyez là, une peinture, je ne l'avais pas vue. Je passe pas. J'ai une tête trop grosse pour passer sous les tuyaux. Et ici, des clous, des bolts. Ok. Après, il n'y a rien d'autre. Fouillez bien. Là, je le fais vite. Mais j'ai déjà tout fouillé. Vous avez vu ce que vous récupériez. Donc, on avait pris l'ascenseur, je ne sais plus. Ouais. Non, on n'a pas pris l'ascenseur. Alors, on va prendre l'ascenseur qui nous fait un joli bruit ding quand on est arrivé. Fait très chambre d'hôtel, je trouve, l'ascenseur. Pas trop de l'aviation. Ding. Ding. Ouais, ben, je crois qu'ils étaient descendus en fait, hein. Moi, je les ai eu dedans. Hein. Ils étaient descendus là. Donc ici, ben, vous avez un autre scientifique, hein, comme je vous l'avais dit. Ici, vous avez du papier, des vieux bouquins en déco. Ici, c'est des magazines qui feront du papier. Si vous avez une vue globale de la chose. Voilà. Vous avez fini votre map là. Je vous rappelle qu'elle était en rouge. Là, on a fait toutes les pièces, je pense. Voilà où on en vient. En bas, on y est allé puisque j'ai laissé les portes ouvertes. Là, c'est fait. Là-bas, on l'a fait. À droite, ici, on l'a fait aussi. Donc voilà quoi. Est-ce que franchement, au lieu de s'occuper de des bugs qui ont planté le jeu, qui ont niqué des bases, etc., ils ont passé leur temps à faire ça. Et mettre cette map en rouge. En 10 minutes, vous l'avez terminée la map. Hein? Après, vous pouvez vous balader où vous voulez, là. Alors qu'est-ce que j'avais fait? Moi, je crois que j'ai même testé le petit chouchou là. Oui, c'est ça que j'avais fait. Donc j'étais montée, j'ai pris les cailloux, les machins, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. Je suis montée, j'ai regardé s'il y avait des T1, des T2, des T3 en haut. Que dalle. Je suis montée là-dedans, il n'y a rien non plus. Donc on appuie sur le petit bouton et on va avancer en fait jusqu'à là-bas. Donc, aucun document nous permettant de comprendre.
Pas de pumpkin sur cette map en tout cas. Les îles, je vais pas y retourner parce que ça prend 3 plombes d'y aller en nageant. Donc là, le chouchou, il s'arrête. Ben, pour les plus aventuriers, vous prenez le chouchou et puis vous tirez dans le mille autour de vous. Hein. Je pense que c'est fait pour ça. Après, oui, la chose que vous pouvez faire, par exemple, si vous arrivez comme un malade et qu'ils sont à votre poursuite, vous appuyez ici sur E, ça remonte l'escalier, ils ne peuvent plus monter dans l'avion. Voilà. Et vous avez la possibilité, par les fenêtres, je ne sais plus lesquelles c'est, voilà, de tirer, et comme moi, ils m'ont touché tout à l'heure, quoi. Voilà. Donc, on a fait le tour de la map. Donc, on retrouve bien dans l'inventaire. Je crois que je devais avoir des choses un peu plus. Donc, la seringue qui redonne de la stamina. Des shotguns. Si vous avez le shotgun, on retrouve bien les choses qu'on a trouvées au resto. Les lingots qu'on a ramassés. Les peintures, les papiers. Enfin, tout ça. La viande, c'est le chien en fait qui était mort dans la cage. La décoration, donc on a trouvé 3 et un comme ça. On retrouve bien le Doberman. Le cœur avec les vieux bouquins maintenant qu'on peut mettre en déco. Donc l'ADN, les 3 boîtes d'outils, l'upgrade pour le shotgun et l'upgrade pour le sniper. C'est exactement ce que j'ai eu dans ma partie que je vous ai montré, mais quand je vous ai montré la map vide au début, une fois la map save. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, tout simplement rentrer. Voilà. Vous avez fait le tour de la petite base. Donc là, ben, je sais pas, moi j'avais passé la nuit, j'avais installé mon petit dodo, et puis j'étais reparti. Histoire de craft un petit peu autour, je me suis dit, bon, quand même, ils ont pas fait ça. Est-ce qu'on peut aller en marche arrière, que ça me ramène là-bas, que j'aille pas à pied? Oui. Oui. Donc, moi, j'ai récupéré tous les cailloux, là, qui donnent du sable et des petites pierres. J'ai récupéré, donc, les shotguns et machins qu'il y a en haut des tourelles. Donc, n'oubliez pas d'aller les fouiller. Les cristaux. Voilà. Et les îles. Je me suis tapé toutes les îles à la nage. Et il n'y a rien. Donc, vous fatiguez pas, il n'y a que dalle. Donc, ne cherchez pas les pumpkins ici. Elles n'y sont pas. Moi, de mon côté, je vais regarder si je trouve des pumpkins dans ma partie personnelle. En faisant le tour des maps vite fait. Je vais pas non plus passer 3 plombes à chercher des citrouilles dont je me fous littéralement. Pour un event, voilà. Moi, ce que je veux, c'est que ben les bugs soient rétablis. Alors, je vais être un premier égoïste, c'est que moi maintenant on me réponde. Je vais faire une vidéo très rapide à laquelle je vais leur montrer mon inventaire où je parlerai en anglais, etc. Je la posterai sur Steam. Je leur mettrai. La réponse sera, je vous le dis d'avance. Je leur ai déjà demandé si je pouvais envoyer la save là. Ils m'ont pas répondu. Par contre, quand je vais mettre la vidéo, ils vont me dire, ah ben, vous pouvez, Shirelle, nous envoyer votre save. Donc, ça aurait été plus simple. Mais bon, comme il y aura eu la vidéo, c'est peut-être mieux. Je ne sais pas. Donc, on revient à ma base. Ah oui, non. Faut pas recliquer. Alors là, deux clics maintenant pour un truc. Donc, on repart. Ça y est, la zone est safe ici. On n'a pas le truc en bas pour nous dire que c'est safe. Mais bon, voilà, c'est une île, hein. Tout simple. Donc, où sont les pumpkins? Je ne sais pas. Et voilà. Et on a à nouveau la save data qui va très vite, la première. Et on va voir la deuxième qui est beaucoup plus lente. Et là, donc, on apprend ce que c'est que le paint horse. Voilà. Deux saves. Trois saves. Donc, ben, en attendant, instruisez-vous, hein, ça vous apprend l'anglais. Sachant que ça a été traduit de l'allemand par Google Traduction en anglais. Donc, des fois, ça veut rien dire, je vais être cash. Donc, voilà, quoi, ben, instruisez-vous. Là, le paint horse, c'est un cheval américain.
C'est un mélange de différents chevaux. Il est dans, oh, dans la, il est plus au western, dans les maps western. On peut le reconnaître à sa couleur tachetée, là. Voilà ce qu'ils disent en gros. Ça occupe le temps que la map charge, ça évite qu'on s'énerve, je ne sais pas. Et donc si je vais... Et pourtant, j'ai bien fait ce qu'ils m'ont dit, hein. J'ai toujours ce freeze que je n'avais pas. Et donc si je revais à ma, à mes coffres ici, voilà, on est toujours d'accord. Voilà. Ben écoutez, messieurs les développeurs et monsieur le directeur des jeux d'Animalica, plutôt que faire un event comme ça dont on se fout royalement, surtout quand je pense que moi, là, il y a des mois de craft, et je pense que d'autres qui vous ont écrit, qui vous ont dit qu'ils avaient perdu leur base complète, bon, il y a des fois, j'arrive, elle est vide. La base, tout a disparu. Donc il faut juste la relancer, relancer parce que c'est un bug, parce que c'est un jeu rempli de bugs. Donc, je me dis, mon Dieu, pourvu que... Et non, heureusement, quand je relance, ça réapparaît. Donc tout ça, là, ça m'a pris mais des mois de craft, des mois de pour crafter les éléments, pour construire les enclos, attraper les animaux. D'ailleurs, il y a un truc que je pige pas non plus, c'est cette herbe-là. Allez, regarde les animaux comme ils bug. Regardez. Alors, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 2, c'est exactement la même chose, ils bug tous. Voilà, donc... Fondu sur place, les pauvres pépères. Donc... Ah lui, le lapin, il s'est mis dans le truc à œuf. Donc voilà. Donc là, ben, je vous dis, la citrouille, c'est ça. Voilà. Donc si c'est pour me taper toutes les maps pour, la, pour avoir ça, je sais pas. Non. Après, si c'est les citrouilles qui bougent, comme j'avais vu sur une vidéo d'une copine américaine, où elle avait fait, je crois, l'event qui était déjà, qu'ils avaient déjà mis en place, et où les citrouilles, je vais peut-être pas menacer mes vaches avec ça. On prend le marteau. Ou vraiment les citrouilles sautaient, etc. C'était des animaux à part entière. Là, je serais d'accord. Par contre, si c'est des éléments de déco à chercher, à s'emmerder sur toute la map, non, il y a plus urgent là, messieurs les développeurs. Donc, mettez-vous au boulot sérieusement. Faites que ce jeu se casse pas la gueule, ça serait dommage. Déjà, niveau prix, grosse chute, hein. Je le redis, 20 euros, 9,99 €. Et c'est pas en promo là. Hein. Donc, voilà. Donc, mais sur ce, je vais reposter ça sur YouTube. Est-ce que le pseudo-directeur d'Animalica va me laisser un message sur la vidéo YouTube comme ça a été lors du précédent coup de gueule? En tout cas, là, je peux pas mieux faire pour lui que lui montrer que, il se fout sérieusement de notre gueule. Et je le répète, et que maintenant, au lieu de faire des events, quand depuis 2 mois, on attend des maps qui auraient dû sortir depuis 2 mois, et que là, ils nous font un event alors qu'ils ne sont pas capables de résoudre des bugs, des gens qui ont tout paumé, et les bugs qui ont été faits, et qu'on n'a qu'une partie sur deux de la mise à jour qui était prévue en juillet, qu'on a eu en septembre, et que c'est la partie 1, mais la partie 2 devait sortir la deuxième semaine, mais on est en octobre, on n'a toujours rien. Mais par contre, ils ont eu le temps de faire cette merde de map qu'on vient de voir, qu'ils ont classé en rouge, je vous le rappelle. Je ne vous raconte pas de saucisses, vous avez vu, en 5 minutes, 5 minutes c'est plié, hein, 5-10 minutes. Je vais vous montrer qu'elle est en rouge. Hein. Papapoc. Moi, sérieusement, je n'aurais pas mis en rouge. Je suis désolée. Donc, là, niveau de danger très haut. Mort de rire, 5 minutes, elle est faite. Vous l'avez vu, 5 minutes, elle est faite. Donc là, maintenant, il faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons. Et s'ils ne veulent pas s'occuper de leur jeu correctement, je pense qu'il y a des devs qui seraient ravis de reprendre ce jeu parce qu'il plaît à énormément de monde. Mais je pense qu'il est très mal desservi au niveau des développeurs. Moi, je ne comprends pas que sur Steam, ce soit des Roumains qui me répondent à la place des devs allemands du jeu. Je ne sais pas qui sont ces personnes. En tout cas, sur le site Animalica, je vous invite à y aller. Vous avez le nom du directeur, vous avez le nom des développeurs.
Ce n'est absolument pas ceux qui se permettent de vous remettre à votre place quand vous signalez un bug sur Steam. Ce n'est pas eux, ou alors c'est des pseudos, j'en sais rien. Mais enfin, ils sont situés en Roumanie, donc le jeu, il vient d'où en fait? Vous êtes allemand, vous êtes roumain, vous êtes quoi? Voilà. Donc en attendant, nous, on a payé des jeux. Vous avez plus de 6 pages de report par rapport à des gens mécontents, rien qu'à par rapport à cette mise à jour. Je vous parle pas de toutes les pages qu'il y a eu avant, hein, et des gens qui ont arrêté le jeu carrément, parce que ras-le-bol de pas être entendu, le jeu a été payé, vous avez l'argent dans les poches, maintenant faites votre boulot, parce que votre jeu, il va couler. Et je souhaite, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente coup de gueule, et je le redis, monsieur le directeur, vous pouvez me recontacter sur ma chaîne YouTube en me mettant vos commentaires, je ne suis pas payé pour faire votre travail, donc il n'est pas question que je vous fasse part des bugs que moi, je vois en me tapant pour vous, comme vous me l'avez demandé, si c'est vraiment vous qui m'avez contacté, vous m'avez demandé de me refaire toutes les maps et de vous signaler, de noter tous les bugs que je rencontrais et de vous les faire passer. Je ne suis pas payée pour ça. Alors, moins que vous me payez pour le faire, je veux bien passer mon temps à ça. Mais je préfère consacrer mon temps à des jeux qui en valent le coup, avec des personnes qui sont vraiment impliquées dans leur jeu et qui sont à l'écoute de la communauté des joueurs. Bon, pas parce que c'est eux qui ont payé le jeu et que c'est normal qu'ils reportent des bugs, surtout quand c'est des alphas. Et encore plus quand s'il y a des bugs sur un jeu terminé. On paye des jeux, c'est pour avoir des jeux qui fonctionnent. Alors, il se peut qu'il y ait des problèmes. Et on voulait Steam, via Steam, on vous les reporte. Vous ne voulez pas en tenir compte. Très bien, le seul problème, c'est que votre jeu il est passé de 20 à 9,99. Bientôt, vous pourrez le donner gratuitement tellement vous faites des merdes. Donc, voilà, donc moi je ne suis pas payée pour ça. Maintenant, si vous voulez me payer, pas de problème, je le ferai. Mais là, maintenant, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, voilà. Donc, moi de mon côté, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Je vais reposter ça sur YouTube pour que le directeur puisse la voir. Et puis, j'attends de voir s'il va me laisser des commentaires comme il a fait sur la dernière vidéo concernant mon coup de gueule sur Animalica. Là, ça fera le deuxième coup de gueule sur Animalica parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule. Et je suis comme vous, j'ai beau être streameuse, j'ai payé le jeu. Donc je paye un jeu pour qu'il marche et non pas qu'à chaque mise à jour, on nous prenne pour des cons, on nous promette des choses, c'est pas tenu. Et qu'en plus, ils nous bousillent le jeu. Et j'ai vraiment une pensée particulière pour tous ceux qui ont tout perdu. Franchement, je serai à votre place, je serai deg et vous avez bien raison. Ne lâchez pas l'affaire, ne les lâchez pas, ils vont vous trouver des excuses bidons. Est-ce que vous avez fait par Steam ce que j'ai fait au début, hein, comme ça, voilà. Et je vais le refaire sur la vidéo que je vais leur fournir, où je leur parlerai en anglais. Désolé, je parle pas allemand, hein, donc je parle 5 langues, mais pas l'allemand. Donc, je leur expliquerai en anglais tout ça. Et puis, je leur donnerai sur Steam. Comme ça, ils ne pourront pas dire que. Et je suis sûre que la réponse sera « Envoyez-moi votre save ». En tout cas, voilà. Moi, je tenais à vous le montrer. Ça me fait mal au cœur parce que j'aime beaucoup ce jeu. Il a beaucoup de... Je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très intéressant. Il est très prometteur. Mais quand il est dans des mains de crétins et d'incompétents, ben hélas, le problème, c'est qu'il se casse la gueule. Et... au bout de, je ne sais pas combien ça fait qu'il est sorti, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 2017 ou 2016, je ne sais plus, vous regarderez sur Steam, qu'il soit toujours en alpha et que la 4.0, ils aient plus de 50 pages de bugs répertoriés et que là, ils passent à la 4.5 alors que c'est pour un event et qu'on nous, on attend toujours la deuxième partie. Je me répète, mais arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. C'est marqué sur Steam, vous avez des commentaires qui vous disent « Attendez, vous nous avez promis la partie 2, c'est quoi ce truc, quoi ?» Et là, vous venez de nous faire une mise à jour pour Halloween, où vous avez, au lieu de faire ça, de perdre votre temps à faire ça, c'est bien, vous avez fait un event, c'est cool, mais en parallèle, pourquoi ne pas avoir sorti aussi les 20 maps les 9 maps qu'on attend, les 20 animaux qu'on attend, depuis août, quoi. Voilà, moi je comprends pas. Si vous avez eu le temps de faire ça, vous n'avez pas eu le temps de faire le reste. Point d'interrogation. Je sais pas, on n'est pas tous niveau professionnel au même niveau, je crois. Donc bref, voilà. Bon, ça c'était mon coup de gueule. Voilà, c'est fait. J'attends vos retours. Je vais le poster sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien juste en dessous pour ceux de Twitch. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, à dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne l'êtes pas. C'est pas un problème, hein. Chacun ses opinions et je respecte les vôtres.
Là, je vous ai tout montré, de A à Z, comme quoi vous êtes bien pris pour des cons. Donc, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Et moi, comme vous, je suis prise pour une con aussi. J'ai acheté le jeu. Hein, voilà. Donc, voilà, je ne peux pas faire mieux. J'espère bien que le directeur me contactera comme il l'a fait dans la vidéo précédente. Si c'est bien le directeur et non pas un petit troll qui se fait passer pour, hein, c'est fort possible. Hein. Enfin, bon, si ce jeune garçon est un troll, ben, s'il a que ça à faire dans sa pauvre vie, c'est bien triste. Maintenant, si c'est vraiment le directeur, puisqu'il comprend le français, il aura compris cette vidéo. Donc, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Je vais de mon côté faire ma vidéo en anglais hors live pour leur fournir directement sur Steam et leur montrer donc le problème que je rencontre, puisqu'il faut faire ça. Eh bien, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Donc, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Puis, on se retrouve très vite pour un prochain live. Allez, hop, je quitte le mode plein écran. Je repasse ici et je vous dis. À très vite. Bisous, bye bye.